Just let me go. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. Because you said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You make me love so hard, but then you throw it away. You like to open skies, and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. H3, 17. H17, vous pourrez partir en Lincoln. Sauce hachée. J'adore l'accueil. Cette sensation. Cet ordinateur qui marche mal. Cette façon d'être que les autres. La façon qu'on a d'accepter les autres. De la... Adam H17 en contrôle radar en 4001. Qui je connais cette voix. Connais cette voix. Je peux rester là des heures. Je vais plus, chef. Putain, je l'appelle souvent, Fabrice. Hein. Oui, lieutenant. Chef, vous êtes beau. Merci. Non, je voulais vous dire, c'est beau. Vous aussi. C'est vrai? Tout se passe bien, sinon. Sur l'échelle de 10, vous vous trouvez beau comment, chef? 8. Ah, c'est pas mal. Ça, limite, vous êtes presque prêt à me pécho, quoi. C'est ça. Je vous appelle, chef, c'est pour savoir au niveau du gouverneur, là. Il en est où, le con, là? Le capitaine voit le gouverneur ce soir par rapport au problème du TAPS. Ah ouais, c'est cool, ça. À un moment donné, c'est de la connerie, quoi. C'est vraiment de la connerie. Je sais. Putain, ça déconne. Eh, vous voulez que je sorte à Lincoln, quoi? Vous pouvez prendre ce que vous voulez, une rapide, si vous le souhaitez. Une rapide? Voilà. J'étais plus parti sur... je sais rien, en fait. Il y a quoi comme effectif là, actuellement? On a 2 Adam et vous pour le moment Lincoln. Ils sont où les autres? En patrouille. Non mais ah, les autres pour le moment sont pas là. Vous êtes en train de me dire, attendez, je refais, excusez-moi. Actuellement en service, il y a une Adam, une deuxième Adam. Adam H17. Mais c'est qui lui? En 1048.f. Eh? Lequel, c'est qui? Mais celui à la radio, là, c'est qui? Je ne connais pas, lui. C'est Davis, c'est Damien. Il s'appelait Davis, je le tue s'il s'appelle Davis aussi, lui. C'est Damien. C'est celui qui était recruté ce matin. Ok. Donc là, vous êtes en patrouille? On flash un peu le contrôle radar pour qu'ils voient un peu comment ça se passe. Bah, donc je sors quoi? Un Granger commandement? La procédure en même temps. Caracara, pas besoin. Coquette, pas besoin. Vigoro non plus. Moto, je suis tout seul. Je sors un Granger commandement et on voit. Yes. Bon pour vous, chef. Bah, je sors Granger bon 01. Moi. Allez, je vous l'attribue. Allez, merci. H3, début de patrouille, Granger 01. Commandement. Et les chiottes. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'arrive en courant aujourd'hui, je vous ai montré 2-3 photos, une seule photo en fait, 2-3 mais une seule photo, sur Instagram. Le studio est presque fini, je suis tellement content, je devrais recevoir demain les... Pourquoi j'appelle lui? Moi je suis con quoi. Prendre l'appel, c'est où ça? 1 km. 1 km, on prend 1 km. Alarme silencieuse distributeur, on va le prendre quand même. Donc le studio est quasiment fini, donc là j'arrive un peu en courant là, à cette heure-là, je suis trop content parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer les émissions studio, le deuxième appareil de prod est prêt aussi, enfin bref, il y a plein de trucs, c'est trop cool, voilà. Donc je suis trop content, il y a plein de projets qui vont se lancer en même temps, vous n'êtes pas prêts, puisqu'on a prévu un tout nouveau setup live quand on n'est pas chez nous, voilà, quand on n'est pas au studio, ça va être... Oh, une dinguerie! Donc je suis trop content. Je suis trop happy. Et vous, comment ça va? Oh putain! Bonsoir. Il y a seconde en fait. Bonsoir, ça va? Ça va bien, vous? Je me suis dit, putain, je vais épauler. En fait, j'épaule rien du tout, quoi. Ah, fait chier. Bon, pas de soucis. Ah putain, j'ai pas mis, attendez. J'ai pas mis la commune, moi. C'est moi le commandement de chez nous, mais c'est pas moi. Oh là là, quel offert. Alors, commune, c'est 535. Oh, quel offert. Bon, ça va, tout va bien, Wespili? Bah écoutez, tout se passe bien. Ouais, impeccable. Et oui, SHP. Bah, impeccable quoi. Sur commune, lieutenant Davis, à la reprise du commandement pour SHP. Bah, écoutez, ça va, impeccable. Ça suit. Attendez, je me gare. Je veux garer. Ouais. Ça marche. Oh putain, commune, ouais, je me gare et l'autre il va me faire chier. C'est ça, que ça décoller, je déteste ça. Voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bah écoutez, ça va là, impeccable. Ça décolle, tout va bien, impeccable. Enfin, on recrute, Quand les EMS se voudraient bien permettre qu'on recrute quoi. Vous avez beaucoup de personnes qui postulent? Bah apparemment, mais chez vous aussi. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une question d'une trentaine de personnes loquées. Ah. Donc en fait, ça. Ah, vous n'avez pas entendu l'histoire? Mais histoire de dingue. Les médecins, qu'est-ce qu'il faut? Oh, c'est des tarés. C'est des fadas. En fait, il y a 30 personnes qui veulent être recrutées entre LSPD, BCSO et SHP. Il y a ces styles plein d'emploi. Nous, on en a besoin. On est en souffrance à ce moment de monde, quoi. Ça ferait du bien. Et les gars, ils sont, ils font... Bon, on ne fait passer que 2 par semaine. Pas plus. 2 au nord, 2 au sud. Il ne faut pas trop nous en demander. Et en plus de ça, c'est juste que c'est pas fini. Le truc, il est tellement compliqué qu'en fait, il y a 70% qui se font recaler. À la moindre question, il dit oui ou non, ou je sais pas quoi, sur des questions à la con. Hein. Style logique de l'esprit par rapport à quand ta mère était petite, fait n'importe quoi. Donc en gros, ça les connaît, c'est ça. J'ai vu le papier, c'est vraiment le oui. Est-ce que quand vous étiez petit, une fois, vous avez ressenti du sentiment pour maman lorsqu'elle a enlevé le soutien-gorge? Le mec, il dit oui. Juste à un moment donné, il a vu sa mère, il a bandé. Il dit oui, il est psychologiquement instable, quoi. Il y a des questions comme ça, il y a 12 pages. Oh putain. Il y a 12 pages. Donc résultat, hier, nous, moi, j'ai fait quoi? J'appelle le chef, enfin le gouverneur, là, c'est notre chef. Après, c'est le collègue, c'est Martel, le lieutenant Martel. Il lui dit, yo, nous on fait grève, hein. Rien à foutre, et nous on va dans la rue, on pète tout, hein. Et vous avez qui pour nous arrêter? Oui, calmons-nous, je suis un homme occupé. Je dis, oh, occupe-toi déjà de faire qu'on puisse recruter, quoi. L'autre, il est là, après, il va nous dire « Oui, la politique sécuritaire, oh, on est à bout, là. On n'en peut plus, on en a gros. » On est d'accord. Chier, moi, je pète tout, hein. Surtout que vous êtes combien d'effectifs au SHP? Est-ce qu'on est obligé de parler des sujets qui font mal? Parce que là, actuellement, je crois qu'on est 5 en service. 5. 5, je dois couvrir toute l'autoroute. 5. Ok. Aucune logique. Ça me semble un peu colère, mais ça casse les couilles, quoi. Nous, on voudrait être reconnus en tant que tel, quoi. Effectivement, oui. Effectivement, ouais. Et vous, tranquille, sur n'importe quel contrôle, vous avez le plaisir d'être 4, quoi. 4 par contrôle. Alors, nous, quand on peut, déjà, sur 2 contrôles, il faut qu'on soit 1. Alors, peut-être il y a la majorité du SPD qui est là, oui. Alors, mais non. Mais non. Combien vous êtes à l'inservice? On est... Ah, vous allez vous sortir à 10, 12, 15. Ça, 10, a priori. Ouais. 10? Non, quand même pas. T'es sûr? Non. Là, il y a juste une autre Adam. 4 Adam sur le terrain. Hein. 5 Adam sur le terrain, du coup. Ah, je pensais que c'était beaucoup moins. Oh, il y a 5 Adam, ça fait Wendy Bonhomme, quoi. Moi j'ai 2 Adam. Et moi. Après, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire des demandes 10-24 hein, sur commune. Oui, oui, après, nous, c'est un peu le jeu, quoi. Ça part, à un moment donné, pas des machines, quoi. Après, le problème, c'est ça. Le temps que vous raccrochez, le mec, il carapate. Aïe. Carapate. Après, c'est vrai qu'un hélicoptère, ça ferait du bien, mais moi, j'ai pas assez de monde pour sortir l'hélico. Pas le chier, je vais pas le chier. Adamage 17, 4 sur le contrôle, reprise de patrouille. On peut mettre derrière sur toutes les routes. Oh là, on a KD, il est nickel, il fait des... H5, 10, 4. Mais pourquoi c'est H5? Moi j'en peux plus, moi j'en peux plus. C'est qui la centrale? Quittez pas, s'occuper là. Pourquoi tout le monde y répond? Pé le cul, y'a que la centrale qui répond. J'en peux plus, moi. Vous recrutez pas au SPD? On recrute toujours. Je vais faire une... Ouais, vous seriez pas prêts. Moi, je demande une mutation. Paf, lieutenant Davis, ils sont pas prêts chez vous parce que j'en ai vu 2-3. Ils sont là en mode oui, les papiers. Moi, les papiers, tu les prends, tu les bouffes. Allez hop. Non, faut pas déconner que le papier. Ça déconne. Bah, le papier, ça fait un très bon feu de cheminée aussi. Hein. Ouais, ouais. Vous dites ça parce que c'est vrai, vous auriez un de vos lieutenants au LSPD, vous seriez... oui, chef. Alors... Non ? Non, pas vraiment. Enfin, ah ouais ? Ouais, papier, à part pour faire des plans, etc., c'est le seul truc que ça me sert, quoi. Pourquoi il a les mains en l'air ? Moi, je peux pas dire, moi, les papiers, je baigne dedans. Pourquoi il a encore les mains en l'air, là-bas ? C'est un test sportif je sais pas. L'examen d'aptitude physique, peut-être. Rentrez vos armes, les gars. Alors, on n'est pas sur le criminel, mais une AK-47 qui va surgir des buissons. Alors, l'arme, c'est pas forcément pour ceux qui sont là-haut. Oui, parce que cette voiture tournait déjà sur un contrôle précédent. On suppose qu'il y a des gens qui tournent. Là, la Buffalo STX. Il y en a d'autres, on pense. Elle est où, la STX? Celle qui s'est fait arrêter. Bah, elle est tournée sur un contrôle précédent. Et vous lui avez demandé? Voilà, c'est les collègues qui s'en occupent. Mais ils ont demandé. Il est. Vous y allez. Faut se le suivre. Yo, connard, t'arrêtes de nous suivre, sinon la prochaine fois, on fait le pare-brise. C'est clair. C'est pas logique, ça. Pas logique. Allez, je file. Ça marche. Eh ben, vous le patrouillez, oui, bon. Eh, vous le patrouillez, lieutenant. Ils sont bizarres, les gars du SP. Ils sont bizarres. Gentils, bizarres. Je vous disais quoi? Bonsoir, comment allez-vous? De ce fait-là, je n'ai pas lu si vous alliez bien et tout ça, si tout le monde va bien. Là, je suis en plein dans les branchements, j'ai tout branché, tout redébranché dans le studio. Voilà, donc je suis très content. Impeccable, nickel, bon bah top. Merci à tous ceux qui ont reçu, d'ailleurs les subs, les resubs, les bitsers, merci à vous. Merci beaucoup. Et là sur le studio, je suis en train de tout brancher, rebrancher les cams, etc. pour préparer la fin du son et de voilà, j'ajuste tout. Ça va être une dinguerie. Le nouvel appareil, il va nous rester à tester en intérieur. Enfin bref, mais tout prend forme correctement. Je vous ai dit que j'étais en vacances à Paris la semaine prochaine ou pas? Comme les enfants sont en vacances, on va 4 jours de lundi à jeudi en vacances. Je vous l'ai pas dit ça. Ah bah je vous le dis. Voilà, je vous le dis. De lundi à jeudi, je vais être avec les enfants à Paris et ma femme. Je leur fais découvrir Paris. Les enfants n'ont jamais vu Paris, donc on va faire tous les petits lieux touristiques, les lieux sympas, etc. Voilà, donc voilà, mais non, mais j'ai même pas prévenu ma modération. Ça me semblait tellement logique dans ma tête, mais c'est vrai que si je ne le dis pas aux gens, ils ne le savent pas. Même vous, vous savez pas, donc vous l'apprenez là. Voilà. Donc c'est top. On va aller un petit peu, on va aller titiller le Paris. On a pris un hôtel et tout. Bref, je suis très content d'aller faire visiter Paris aux enfants. C'est chouette quand on a la possibilité de le faire. Des lieux sympas à Paris, mais il y en a plein, Sully. Frérot, il y a plein de lieux. Quand tu vis en région parisienne, tu finis par, voilà, par pas kiffer, mais t'as quand même pas mal de trucs qui brûlent ou quoi. T'as quand même pas mal de trucs. Autant dire que Miguel, c'est pas pour demain. Mais il va revenir, Miguel, vous inquiétez pas. La Mano gère de ouf. Alors c'est faux, la Mano a plein de problèmes, mais comme ils l'ont toujours pas dit à Miguel, bah Miguel est au courant de rien en fait. Comme ils sont très fiers, ils disent à Miguel, non, tout va bien, prends ton temps. Plus ils disent tout va bien, prends ton temps, plus Miguel met du temps à revenir. J'ai la même réflexion, Paris, il n'y a rien de joli, mais arrête. Tu as quand même les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, tu as quand même des lieux sympas, Montmartre, t'as des lieux super sympas à faire. T'as des lieux de culture extraordinaires à Paris. En région parisienne aussi. La collab avec Disney va arriver, mais non. Incroyable Paris. Donc voilà, il y aura 4 jours de vacances. Et à mon retour, maybe Miguel. Je sais qu'il vous manque. Il vous manque comment? 0, pas du tout. 10, c'est la 10 beaucoup. 100, chiap 8. 0, il y en a plein, 0. 0, 8 et demi, il y en a quand même pas mal. 100, 0, 0. Il y a les pros des recs. Hein. Après, on aura le combat des pros des recs. Et des pro Miguel, c'est très drôle. On va créer un espèce de métaverse où les gens qui aiment Miguel se battent avec les gens qui aiment Derek, et à la fin Derek et Miguel se battent pour qu'il n'en reste plus qu'un. Moi, dans le fond de moi, j'espère que quand je reviens, la Mano soit suffisamment dans un état lamentable pour qu'on doit tout revendre et qu'on doit tout refaire. Je trouverais ça génial. Repartir de zéro et tout. Mon rêve absolu, vous le savez. Hein. C'est qu'on prenne tout. Ma maison, mes voitures, tout. Je kifferais, je pourrais autoriser les, les, admin parlant, je pourrais autoriser qu'on me prenne tout. Je kifferais ça. Je trouve que c'est le meilleur truc au monde, tout perdre. Faire une prédiction, Miguel et Derek, non mais chacun donnait un petit peu son... Maintenant je vous ai dit, hein, j'essaie d'accompagner les FDO, alors pas en mode prof, hein. J'accompagne les FDO avec un personnage un peu loufoque qui monte en grade et qui voilà. Après le chef il fait ce qu'il veut, il veut me monter, il veut me démonter, il veut... Enfin, s'il me démonte c'est un peu bizarre mais... Le chef il fait comme il veut après. Et quand je jugerai que Derek doit repartir, ou peut-être qu'entre temps Derek va mourir, on sait pas. Il peut tout se passer, hein, Derek, il peut se bouffer des gangs, être enlevé, mutilé, tué, finir gouverneur, ça serait un peu la merde quand même. Pour devoir repartir de zéro, c'est ce que tu as pris de risque pour faire telle chose suite à une action. Or si aucun risque n'est pris, c'est compliqué de repartir à zéro. Bah... Moi je t'avoue, je prends quand même pas mal de risques avec Miguel régulièrement. Maintenant, la prise de risque, c'est quelque chose qui est pour toutes les factions. Moi je trouve que la prise de risque, les gens qui veulent risquer ou qui ne veulent pas risquer, ça c'est une complexité à tout le monde. FDO, civil, pour tout le monde. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans des situations où tu as peur de perdre, mais au-delà peur de perdre ton personnage. Et en fait, moi, c'est ce qui, je trouve, anime les gens. C'est chouette. Maintenant, tout le monde ne veut pas jouer comme ça. Ah, Devo qui dit « J'adore Miguel, sa capacité à prendre des décisions rapidement, quoi qu'il en coûte. Mais je dois avouer que le personnage de Dédé, je surkiffe cette proximité avec les gens. » Cette fermeté, c'est vraiment intéressant à regarder. Et bah cool, si toi tu passes un bon moment, tant mieux. Il y a eu un 50-50 style, le manque de Miguel, non ça va, oui il me manque beaucoup, 50-50. Très bien, vous êtes vraiment une bande de sacs à merde, mais je vous aime. Voilà, je voulais vous le signaler, que je vous aimais, et que vous étiez à la fois des sacs à merde aussi. Ça, je trouvais ça important de vous le signaler. C'est pas du tout le même rythme. Ce n'est pas du tout le même rythme. Policier, criminel, tu ne joues pas pareil, tu ne fais pas la même chose. Tu ne réagis pas de la même façon. Des fois en policier, tu es obligé de surréagir certains trucs, mais en criminel aussi. C'est toute la complexité là, mais c'est chouette. Et toi Alex, ça fait du bien de jouer autre chose que Miguel un peu? Ouais, parce que c'est aussi... ça fait plaisir de mettre en pause un peu un personnage. En fait, j'ai pas la peur de dire si je reviens et qu'il n'y a plus rien, parce que s'il n'y a plus rien, on reconstruit. S'il y a encore, c'est génial, parce que je les adore tous. Maintenant, je dois laisser vivre le RP sans Miguel à la mano, pour que quand il revienne aussi, il soit content de le retrouver. Et de l'autre côté, Miguel, ça fait 1 an et demi que je le joue, voire presque 2 ans. Et à un moment donné, jouer autre chose, ça fait du bien. Tout autant que là, va s'enchaîner toutes les productions et toutes les prépas que je fais depuis 6 mois. Ça va enfin prendre forme. Et ça, c'est génial aussi, quoi. Donc là, vous allez retrouver avec, il va y avoir du RP, il va y avoir de l'émission plateau, il va y avoir de l'émission ailleurs. Pas encore vous dire où, mais régulièrement vous allez voir des émissions ailleurs, dans des lieux insolites, avec des personnes insolites, et en fait là c'est bien. Petite question hier sur la scène avec les manos, est-ce qu'une fouille aurait été possible? Je sais pas, potentiellement oui, il y avait eu un début de preuve, mais il n'y avait rien. Donc après, c'est que du blabla, c'est une façon d'être, voilà. C'est génial comme poteau. Je pense qu'il faudrait que je fasse ce poteau à la maison, quoi. Faut que je le mette. Et après, bonsoir. Je passe... Bonsoir. Tout va bien? Impeccable. Nickel. Le poteau a traversé la route? Ah non, 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 je suis garé devant parce que je me demande si je ne mettrai pas le même devant les SHP. C'est pour ça. Ah ça, ce serait pas déconnant pour les piétons, oui. Bien et vu. Voilà, et je dis, je me suis arrêté là. C'est vrai que j'ai pas mis... Ah voilà, comme ça c'est mieux, j'avais pas mis les gyros. Non, non, mais tout va bien, impeccable. Eh ben c'est parfait, bonne patrouille. Bonne patrouille aussi. Elwood. Tout est cool en fait. Il faut de temps en temps souffler, il faut faire autre chose, il faut... Ah, c'est sur la mano. C'était du bluff en fait. On a ce qu'on voit mais on n'a rien pour les arrêter. J'ai compris que c'était plein à craquer. Quand je les ai vus stressés de ouf, maintenant on n'avait rien donc tu les laisses repartir. Ça fait... En fait, le jeu, c'est ça aussi les scènes. T'as rien pour les arrêter, tu les arrêtes pas forcément. Sauf si les mecs ils passent devant toi en te traitant de fils de pute et de connard. Là, tu vois, pour pousser le contrôle. Mais si tout se passe bien, tu vois, ils donnent leur identité, tout va bien, ils s'en vont. On monte au-dessus, les mecs, ils nous blablatent de la merde, forcément, ça monte un peu, mais gentiment. C'est du taunt, pif, paf, pouf, au revoir, quoi. Maintenant, il n'y avait aucune raison qu'on les fouille. Maintenant, ils n'étaient pas... Ils étaient pas très discrets, quoi. Maintenant, c'est pas... Je les ai pas appris à être discrets, jamais. HE3, 1048, indice 12. H1, 17. Je les ai pas appris à être discrets. Maintenant, voilà. Il faut se rappeler que les FDO, c'est la faction dominante du serveur. D'accord ? C'est la faction qui fait respecter la loi. Qu'elle le fasse bien ou pas bien, on s'en fout. Donc, aller prendre en frontal les FDO, ça finit jamais bien. Grosso merdo, les FDO, ça fait longtemps que moi j'aimerais qu'ils soient un peu plus vénères, un peu comme je le joue moi, où même Miguel est obligé de négocier, de courber les chines, des fois il fait le con, et puis bah, il se retrouve avec le SWAT devant chez lui, mais le SWAT devant chez lui, ça veut dire négociation obligatoire, parce que qui dit SWAT dit que ça va partir en couillette. Donc à partir de là tu négocies, sauf qu'eux veulent plus négocier, donc tu trouves un levier, et tu joues quoi. Le gros des actions de bagarre, ça doit être avec les autres criminels. Mais ça c'est encore une fois ma vision des choses, je pense qu'elle est partagée par beaucoup de mes camarades admin. Pour nous, le gros du combat, il est entre criminels et pas contre les FDO. Les FDO c'est plus un fusible de sécurité pour les criminels comme pour les civils en fait. Mais les FDO, vous voyez qu'en FDO, moi je pourris aussi s'il faut. HO3, code 4. Il n'avait pas noté où j'étais. Il n'avait pas noté où j'étais, putain. Ah, le chef, il n'avait pas noté où j'étais. Ça va être une catastrophe, chef. Si vous faites centrale, faut noter quoi. Faut noter, chef. Après, le truc, il est simple. Pour l'instant, les criminels, ils n'ont pas réfléchi. Mais est-ce que vous vous rappelez le principe des territoires? Qui est l'espèce de connard qui a eu l'idée, parce qu'il n'avait pas été invité à un truc, de créer les territoires. Miguel. Miguel a créé les territoires pour une simple raison. Les Lost ne l'avaient pas consulté. Il a fait son caca nerveux. D'accord? Max des Lost. Oui, mais Max des Lost a fait un territoire, entre guillemets, qui paraissait logique. Miguel a fait son caca nerveux et a créé les territoires pour tout le monde. Donc, aujourd'hui... qui a le territoire qui est sur une grosse partie de l'autoroute. Bah la mano, c'est tout. Donc pourquoi la SHP a tout le temps la mano dessus? Bah c'est parce qu'on gère notamment XYZ. Et puis c'est tout. Et qu'on a toujours une unité d'un côté de l'autoroute et de l'autre côté. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que la mano, Miguel en partant, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit, vous me pétez ces territoires pour leur montrer qu'il n'y a que nous, c'est que c'est nous les maîtres, fin. Vous vous pétez partout et vous me pétez tous les gangs. Vous me pétez tous les gangs. D'après ce que j'ai compris, ils n'ont rien pété du tout. Ils ont pété 3 sacs de supérette à des balasses. Enfin, c'est pas pété tout à tout le monde. Donc en gros, aujourd'hui, la mano, elle est en mode, oui, la SHP, elle nous focus. Mais non, nous, on fait l'autoroute, fin. Voilà. Maintenant, peut-être que s'il n'y avait plus ces territoires, la mano, elle boufferait autre chose et les autres criminels, on les aurait aussi. Maintenant, c'est le jeu. Ça, c'est du RP pur, en fait. J'ai vu des gens qui disaient « Ah, tu fais focus que comme c'est ton groupe !» Je m'en fous, en fait. Moi, je m'en tape, en fait. Je suis une disquette. En vrai, il n'y a pas énormément de choses qui poussent les gangs à se taper dessus. Ah, les gangs. Les gangs, ils sont frileux. Ils sont très, très frileux. Ils sont frileux à se taper dessus. Ils sont... C'est compliqué. Ils aiment pas, par définition, le gang, il veut farmer. Il n'a pas forcément... En fait, il a envie d'être entreprise civile sans risque. Il aime bien farmer, l'illégal, faire un peu plus de sous que les civils, fin. Mais assumer et aller taper, ça l'embête un peu. Quand en fait, deux gangs qui devraient se croiser, ça devrait être tendu pendant une demi-heure, quoi. Voire plus. Hey, j'ai vu tel mec de gang, attends, vas-y, viens, on vient en force et tout, on va lui montrer qui on est. Il devrait y avoir un truc, quoi. Les balasses sont actifs. Ouais, les balasses sont taquées. Mais c'est pas les seuls. Il y a du monde qui fait de la criminalité maintenant. C'est pas... Vous voyez en fait qu'il y a deux mondes. Des fois tu te dis, ouais, la police elle est sur mon cul. Mais pas plus que ça en fait. Juste des fois il y a des coups de chat. La police elle a ses rondes, elle a ses habitudes. Et à un moment donné tu tombes dessus, quoi. Mais tout est compliqué. Hein. Je dis pas que les criminels font mal ou bien en fait. Je dis juste qu'il faut arriver. C'est dur de jouer ensemble. Vous avez vu qu'avec nos persos, il passe au milieu en interfile, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Je comprends pas. Sur commune de LSPD, utilisation du FTC. Adam H5, on prend le dernier appel en 5067. Adam H17 en... Adam H17 1048 en point F. Personne met à jour la centrale. Ça va être problématique. Je pense pas que la mano fait exprès de chauffer les flics. Bah ouais, bon. Un kilomètre, je vais y aller. Madame H5 10 48 50 67. Maintenant, chauffer les flics, si c'est la seule activité des criminels, ils bouffent l'intégralité des FDO en fait. Faut le comprendre maintenant. Il y a moyen et moyen, hein. Tu peux faire des opérations coup de poing, mais faut être malin. Ils ont déjà fait le coup ici. Ils vont être dans l'angle. J'ai pas d'unité pour raccrocher en fait. Ils vont être dans l'angle en moto. Et dès que quelqu'un va approcher, ça va partir en délit de fuite. Et ils sont avec des motocross hyper... qui vendent au fond. J'ai rien pour raccrocher. Voilà, c'est ça qui vend. Où il y a du monde, 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 où il y a du monde. Sur Inter-Service pour SHP, demande 10, 24, 92, 88, plusieurs véhicules d'un droit louche, rouge et jaune, Demande 10-24. Sur commune de SPT, je retrouve des unités. Et répétez déjà. Et sur commune de Adam 10, Fabricant 10, je suis à proximité. H3, 92-88. Adam 51, sur commune, on raccroche, on est à côté. Adam H17, code 4, sur le contrôle routier. Messieurs, bonjour. Et bonjour. Disons. C'est la police. Oui. On a remarqué. Impeccable. Tout le monde va les sortes du véhicule. Les mains en évidence. S'il vous plaît. Pour quelle raison? À qui vous parlez du coup? À l'intégralité. L'intégrité d'entre vous, vos descendre des véhicules. Les mains en évidence. S'il vous plaît. Pas si sûr. Vous disiez? Moi je disais que j'étais pas si sûr. Je viens d'arriver là, vous voulez me H3, 92-99, possible menace de personnes sur place, demande de renfort immédiat et armé. Vous disiez? C'est quoi celui qui te menace, il s'en va, comme ça tu restes avec mes collègues qui sont coopératifs. Bonsoir monsieur. Le 51 en route. Le premier qui bouffe, ça sort, les mains en l'air. Ça sort les mains en l'air, tous. Allez hop. Ça tente de fuir, ça prend une balle. Je répète pas, ça tente de fuir, ça prend une balle. Les mains en évidence pour tout le monde. Côté rouge là-bas aussi. Madame 10, 92, 88, besoin de 10-24 urgent. H17-03. Les mains, montre tes mains. Les renforts. Voilà, doucement, sors, sors. Tes mains. Allez, calmez-vous, ça va bien se passer, vous. Et les coquins, je raccroche. Agent en mauvaise situation, demande renfort immédiat, immédiat. Les coquins, à quel WhatsApp? Je pense que ça sert à rien de planter encore. Hein. C'est quand même terrible ça. TB, votre TB, votre TB. Oh, impeccable. Les deux sur le côté. 10-23, on voit 34 en route. Les deux sur le côté, sur le trottoir, les mains en évidence. On est à 6 km. Trap sur place. Impeccable. Arrêt, situation sous contrôle. Très bien vite. Impeccable. On va partir sur le fouille de ces deux messieurs. Très bien. Voilà, on va pas compter le... Tentative de délit de fuite d'un des deux, je crois qu'il manque un peu le pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 50 ou 70 toujours. Possible truc louche ici. J'arrive pour un contrôle. Ça me dit je crois pas. Puis menace. Puis délit de fuite d'un premier. Arme pointée pour bloquer tout le monde et ça tente de partir délit de fuite. Tire de pneu et sommation en l'air. Les deux là en font partie. Ça marche, c'est reçu. Merci. Non, mais... Yo, c'est pas les gangs qui décident ici. Et trap sur commune. PS11 début de service. 1, 2, 3, impeccable. Sur commune de BCSO, on est à 3 km. Si on pouvait avoir une confirmation du zip, ça serait parfait. 92-88. Demandez de baisser les mains. Je suis un disquette, vous partirez avec un... Je suis pas menaçant, je coopère en... Les mains en l'air. Sur la commune. Je me fous que ce soit pas menaçant. De toute façon, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Je me fous. Le monsieur est pareil, avec le casque là. Il approche, il veut les mains. 92, 88. Impeccable. Donc, impeccable, ça c'est top. Faites au village. Ça part sur des menaces, ça part sur des dispositifs extraordinaires, messieurs. En plus, je crois que c'est quoi, Vagos, vous? Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, c'est pas grave, le dispositif extraordinaire, on va le passer chez vous, directement. Donc on va faire ce qu'il faut pour foutre les véhicules devant chez vous avec des fouilles non-stop. C'est pas un souci, partez sur les menaces policières. Partez sur les menaces en mode on en a rien à foutre. J'ai demandé à tout le monde de sortir pour un contrôle sur une zone où potentiellement on a des images de gens qui vendent de la drogue ou autre chose. Et ça part sur des menaces policières. C'est pas un souci. C'est pas un problème. Monsieur Bonvin à ma droite a déclaré avoir un œuf sur lui. Il a été mis dans le véhicule sans difficulté. Oui, dites-moi. Est-ce que vous avez eu un flag de deal des deux personnes en rouge? Non, non, j'ai pas de flag de deal. J'ai des personnes qui, au moment donné où j'ai dit que je vais faire un contrôle, se barrent malgré les ordres de rester. Donc si vous avez rien, ils repartent. Vous avez des trucs? Quelqu'un a des petits sachets sur lui. Eh ben, s'il y a des petits sachets, vous faites une procédure pour. Voilà, ça lui fera le cul, merci. Ça marche, y'a pas de soucis. Gros débile. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas très bien entendu. Très bien. J'ai dit que nous on est restés, regardez, on est là. Vous pouvez relever les mains un instant, je vous parle, je vérifie que vous n'avez pas d'armes. J'ai cru entendre gros débile. Très bien. Vous avez un PPA? Vous pouvez me le présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Non, il n'a pas eu qu'à dit gros débile. Tu me l'as filé à moi. Sur X Bobby catégorie 2, ok effectivement. Il n'y avait pas une histoire de gros débile? Ok. Non, j'ai dit que c'était débile. Est-ce que vous voulez bien mettre, non, il y avait gros devant. Dans votre coffre de votre voiture? Non, il n'y avait pas gros, j'ai dit que c'était débile. Ah bon, donc je suis dur de la feuille. C'est fort probable. Et c'est possible. Bon, donc je vais chercher les véhicules lourds pour bloquer le quartier Vagos ou comment on fait? Et pour quelle raison en fait? Enfin, je comprends pas. Hein. Je vous la refais. J'arrive ici, il y a potentiellement une zone louche et de deal. Je vous demande un contrôle, équipé d'un collègue. À cela, la réponse est « On fait ce qu'on veut, moi je me casse. Je sors une arme et je somme de rester. » Sauf qu'il est parti. Très bien. Et nous, est-ce qu'on est parti? Non, vous étiez très content quand il y avait le copain qui faisait le mariolo. Et là, il y avait du monde pour rigoler. Il y avait du monde au balcon. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, donc rigoler, on vous écoute. On rigolait pas, hein, pour le coup. Oh, d'accord. Très bien. Moi, j'essaie de comprendre ce que vous vouliez, en fait. J'ai pas tout compris. Mais... Oh, ben, très bien. Je sais pas. Vous n'avez pas tout compris. Je vous explique comment ça se passe. Peut-être que ça se passait pas comme ça va. Mais la menace envers les policiers, vous avez des collègues qui en ont pris plein le fio. Les verts, le violet, peu importe la couleur, hein, la main, le machin, le bidule. C'est pas un problème. Si vous voulez faire partie de la ribambelle de ceux qui se font sodomiser par les forces de l'ordre, c'est envisageable. Quoi, collègue, c'est un grand mot quand même. On n'est pas amis avec, d'autres gangs. Hein. Ça, je sais rien. Démerdez-vous avec eux. Est-ce qu'ils ont des trucs illégaux sur eux? Monsieur Bonvin, donc l'individu de la casquette a déclaré de lui-même avoir un 9 mm sur lui, il l'a mis dans mon véhicule. Impeccable. Les deux qui se sont barrés de chez vous, ils reviennent, ils assument le DI de fuite. Il y en avait qu'un, hein. Et il y a moto plus voiture. Non, non, il y en avait qu'un. Très bien. Et bah, plus le collègue, il y est assumé. Oui, je l'appelle. Attendez. Vous étiez pas amis, mais par contre, tout le monde est sur le même trottoir pour dealer. Hein. Il faut partie des Vagos, les mecs rouges et blancs là-bas? Non. Très bien. Donc, c'est qui comme gang? Et plus personne là. Oui. Ouais, c'est la Piovra. La Piovra. Donc, en gros, les Vagos et la Piovra, ils sont sur le même trottoir en train de dealer. Et vous parlez que vous n'êtes pas amis avec les autres? Vous êtes sur le putain. Vous faites pas du business, vous êtes en train de dealer sur le même trottoir. Oh, je suis au bout de là, ça arrête pas d'appeler. Oui, les gens qui passent. Oui, le petite mamie nous appelle. Elle dit quoi? Oui, il s'est très dealé. Si tu veux aller vite. Je viens, j'arrive, je regarde. Elle rappelle. Oh, il deal encore. Il y a un mec rouge. Il deal. Il y a un mec jaune. Il deal. Attendez, ça me connaît. Foutez de ma gueule. Vous êtes sur le même trottoir avec un autre gang et vous me dites, ouais, on ne connaît pas. On n'est pas amis. Mon cul, ouais. Vous n'êtes pas amis. Ça se suce le cul. Yeah, pardon, il faut du business. Du business. Oui, du business, oui. Je cherche le cul. Et faire du business aussi, oui. Bon, il arrive le collègue ou pas? Moi, je sais pas, j'ai pas essayé. Il veut pas répondre là au téléphone, il me casse les couilles. Il y a moto le collègue ou pas? Et la moto, oui. Ouais, il y a moto. Il y a moyen qu'il se soit arrêté, oui. Et c'est quoi ces lignes? C'est quoi le nom du collègue? Il a pas des lignes? Ah, mais il est en train de discuter avec un agent. Oui, c'est bien ce que j'ai pensé, oui. Il est où? Ah, il est un peu plus loin du long de. Là-haut. Ah, là-haut? Oui, en tout cas, si c'est le même copain, c'est oui. Oui, bah, en tout cas, il y a un contrôle de 10 sur le 10-26 en garde. Impeccable. T'as les deux là-bas, les voitures. Oh, Fabrice, les deux là-bas. Il y en a une, elle a plus le peleux. Tentez de fuir. Oui. On a fait un truc, j'ai vu ça que dans les films. Le collègue du SPD s'est mis dos à dos avec moi. On s'est bientôt pointé tout le monde. Dinguerie, dinguerie. Bon, donc, on fait quoi? Ici, on avait deux cavaliers et un qui avait 9 mm. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais ils font quoi comme business ici, Zéry? Il lèche le cul aux autres, en fait, c'est pas du business. Ah d'accord, c'est parce que... J'ai pas fait de fouille approfondie, hein. J'ai fait une palpation de sécurité, c'est tout. Il y a de la drogue sur vous, de la merde ou pas? J'ai un sachet, si vous voulez, je vous le donne. Non mais il y a quelque chose sur vous ou il y a que dalle? Oui, j'ai quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. Bon, bah, voilà, vous allez accompagner chacun votre tour l'officier du SPD, là. Vous allez mettre dans sa voiture. Allez, venez, monsieur, on va. Chacun son tour. Chacun son tour, ces abrutis, j'y vois 3, Sophia, je vais péter le pile, je vais les abattre. J'arrive ici, ils sont tous en train de sucer la queue là, il y a 17 voitures à la filée, en train de dealer. J'arrive. C'est plein de plaisir, c'est peut-être pour ça. Et je lui dis, c'est un contrôle, le petit me dit, je crois pas, oh, gros bras, je crois pas, je devais partir. Et je dis, toi mon coco, tu vas nulle part. Je tirais dessus. Alors après, j'étais pas bien, j'ai demandé des renforts, mais style vite, 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 vite. Vas-y, oui. Putain de merde. J'arrive, j'arrive, je vais juste voir où il est l'autre. Et bonsoir, oh, commandant, bonsoir. Commissaire, shérif, oh, mes respects. C'est le bordel ici, c'est les débiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'arrive ici, oh. Il y a une mémé qui m'appelle, elle me dit ils veulent de la drogue, venez vite, la police. J'arrive là, doucement, doucement. Et rappelle. Il y en a d'autres qui vendent de la drogue, je peux pas rentrer chez moi. Je dis, madame, doucement, doucement, on arrive. La police arrive. Donc je prends l'appel, j'arrive ici. Et là, il y a une foule de débiles, jaunes et rouges. Ils sont là, tranquillou, ils dealent. Je dis, oh, c'est déconné, je me mets au milieu d'eux. Je fais ça, je demande un renfort. Et Speedy qui arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, monsieur, on va procéder au contrôle. Il me dit, je crois pas. Je vais me barrer, je fais ce que je veux. Oh, le collègue du Speedy, il m'a mis des queues, moi. Il a dégainé l'arme, il a dit, je crois pas. Voilà. Donc après, on a tiré dans les pneus de la Piovra, on était dos à dos, on aurait dit un film. Et que le collègue du SPD a commencé à tirer sur les jaunes, moi j'ai tiré sur les rouges dos à dos, on s'est mis à hurler, le poil qui bouge le fume. Et après on a fait vite, au secours, il nous faut des renforts. Voilà. Donc ils sont tous armés, ils ont tous de la dope. Et ils nous disent tous, oui, non, on fait que du business. Voilà, en fait ils se léchaient les couilles, quoi. Bref. Voilà où on en est. J'attends le dernier jaune. Je sais pas où il est. Apparemment, il sera au contrôle un peu plus haut. Parce que c'est le jaune qui s'est barré. Ah, d'accord. Oui, du coup, c'est pas vous qui... c'est pas le jaune qui attend, c'est vous qui attendez le jaune, quoi. Et je sais pas, oui. D'habitude, on attend le jaune, ouais. C'est vrai qu'on a prévu de... Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je crois que c'est une de vos unités qu'il a. Je sais pas où il est. Alors lui, par contre, bah, lui, je vais lui refaire le fios. Il va réparer les voitures pendant qu'on fait le... Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Ah, il est parti pour, là. Il va le faire. Attends, on va peut-être l'appeler. Ah non, c'est bon. Ah, il va peut-être voir les forces de l'ordre pour vous. J'ai une petite question. Oui, parce que vous... Bah ouais, Jaloui, Jaloui du béni, mets-toi sur le côté, on te dira quand tu peux les réparer, Jaloui. Excusez-moi, je prends les choses au même parce que sinon Jaloui il est là pendant 3 heures. Bref, bon, qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait, chef? Je récupère tout et je laisse repartir ou on les embarque au poste? On récupère tout, les gars, ça c'est sûr et certain, hein, on va pas laisser la merde aux copains. Chef, chef, je voudrais vous dire un truc, je crois que c'est la 4e menace de mort que j'ai en 4 jours. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais c'est des fadas. C'est des fadas, chef. Faites attention à vous, lieutenant. Ramenez le patron, non? Au moins comme alors, ça, vous aurez peut-être discuté avec lui plus en particulier. À un moment donné, si à un moment donné, je commence à avoir peur parce qu'on me dit que potentiellement je suis un sale flic qui va crever, à un moment donné, je fais plus moitié. Oui, vous avez pu... Voilà. Putain, juste rassurez-vous, personne de blessé de votre côté? Ah non, non, nickel. Alors par contre, il doit y avoir un mec qui doit être à l'hôpital chez les Piovra. Il a tenté de fuir moto. J'ai visé partout nickel, mais pas lui. Lui, je crois que j'ai eu la jambe. T'as coupé le tentacule, c'est ça? Voilà, j'ai coupé une... Elle va repousser la Piovra. Donc voilà. Bon, et ben merci. Très beau dispositif, hein, ça les collait. Bon, à un moment donné, ils étaient quand même beaucoup. Hein. C'est pour ça aussi. Alors, donc chef, vous voulez que je ramène le jaune? On va ramener le patron, on discutera au bureau et on saisit tout. Allez, allez, je fais comme ça, merci chef, on est parti. Bon, on risque peut-être d'avoir... J'ai pas entendu. C'est bon, impeccable. C'est qui le chef, chez vous? Il est pas là actuellement. Ah, et le chef d'après? Tom Denil. Et il est où? Début de 10-31 sur une voiture. Là, je crois qu'il doit être en train de manger. Et celui d'après, le chef? Jaune et bleu, une sultan. 3 individus à bord, je viens de les contrôler. C'est compliqué, le chef il m'a dit faut que tu amènes le jaune avec qui on peut discuter. Et pour une fois, c'est moi qui attends le jaune, c'est pas le jaune qui m'attend. J'ai la ref. Je peux l'appeler si vous voulez, je vais essayer. Le chef, essayez de l'appeler, oui. Enfin, le chef, le second. Oui, ou le second, ou le troisième chef, le quatrième, au pire, je sais pas combien vous êtes. Sur 40, vous avez bien retrouvé quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire. Ouais, tu peux venir, usine? La police qui voudrait te voir. Bah, directement, il vient au bureau SHP. Voilà, comme ça on va le voir là-bas. Directement au bureau SHP. Ouais, il vient là-bas. Comment il s'appelle? Ouais. Tom, monsieur Denil. Tom Denil, je note. S'il est pas là à 30, on tourne direction sud. Mandat d'arrêt. Ouais, bah, ils vont t'expliquer directement au bureau. Allez, pas de problème. Petite ruelle en 71-62. SHP sur commune, levée de dispositif. Merci à l'ensemble pour la rapidité, l'efficacité, le professionnalisme dont vous avez fait preuve. Très fier. SHP 17 sur la bonne soirée. Allez, on attend votre chef. La bonne soirée à vous. Yes, bonne soirée. Direction sud-est, 72-28, direction sud-est. Ah oui, rentrez chez vous, ça m'arrange. Pas de soucis, bonne soirée. Vous êtes le meilleur. Rentre au bureau, chef. Direction nord-est, 72-70, il tourne aux anciens EMS. Il repart direction est, 72-74. Et 17 de H. HE3, 10-19. On y va là, on veut de la scène. Oh nom de Dieu, on a basculé du côté cow-boy de la loi là. On est passé en mode... Perte de vie duel en 70-76. Moi j'ai vu le moment où ça allait mal se passer pour moi. Quand j'ai commencé à appeler les renforts assez vite, je me suis dit ça va partir en couillette. Fait du RP pour qu'il y ait des trucs comme ça, quoi. Ah, j'ai vu le moment où ils allaient être plusieurs à sortir les armes et que j'allais rengainer très vite. Hein. J'ai fait l'inspecteur Harry, ça a failli mal tourner. Hein. J'ai vu le moment où ils allaient tous sortir un gun et que j'allais faire. Non, mais je rigole. Allez, je vais y aller. Ils sont prêts à l'appel. H5-10-4 et Adam H5, pas de reprise de visuel, code 4 sur le dernier 10, entrée 1. Et bonsoir. Et bonsoir. J'aurais tellement voulu en fait qu'ils m'embarquent ou qu'ils sortent des armes. Vous auriez été obligé de faire le cake inversé en mode oui, non mais en fait. Oui, non mais enquête. J'ai fait un jet d'intimidation qui est passé. Ça ne passera pas tout le temps. C'est le but du jeu. Hein. Taxant que ça. Bah ouais, faut qu'il y ait un peu de vie. Oh, il y a plein de monde. C'est Madame Collins des jaunes ou quoi? Eh, hey, c'est pas con ça. Un problème de pastéro, pas de branlette. Qu'est-ce que c'est pas con? Ah ouais. Et bonsoir. Bonjour. Bonsoir, comment allez-vous? Eh bien vous. Bonsoir. Impeccable. C'est pourquoi du coup on m'a dit il fallait que je vienne ici. Hein. Ah, c'était pour savoir comment on allait fonctionner. C'est-à-dire pour travailler ensemble, on va dire? Ah non, si on fait des patrouilles, comment on fait? Là, c'était par rapport au fait que vous soyez en train de dealer côte à côte avec la Piovra. Petit contrôle de police. Alors déjà, des menaces sur agence, ça va pas passer. Oui, ça, oui. Voilà, mais je vous le dis. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Des menaces sur Aja, voilà. C'est pour ça que là, il y a eu un petit souci. Ah. C'est-à-dire contrôle de police, on dit, non, ça va pas contrôler, sinon tu vas voir. Voilà, ça va pas bien. Mes gars, on dit ça ? Oui, bien sûr. Monsieur Moto, je sais pas comment il s'appelle, Monsieur Moto, parce qu'il a été contrôlé un peu plus loin, mais Monsieur Moto, si je l'avais, je pense qu'il aurait sûrement pris le coup de tofa dans sa gueule de merde. Je vais te faire les menaces sur Aja. Je vous le dis. Non, mais on est d'accord. Moi, après, quand il y a du manque de respect, moi, je pense que problématique que vous leur envoyez un petit coup de tofa par la tête. Et je pense que vos collègues, c'est du passing, donc ils pourront vous dire. Et pour information, c'est ce que je lui dis, vous faites quoi tous sur le trottoir là? Il me dit, on fait du business. Il me dit, oui, les autres criminels, on les connaît pas trop, puis on n'est pas potes avec eux. Je dis, apparemment, vous êtes vachement potes avec la Piovra, parce que ça suce des queues à sable sur le même trottoir. On va peut-être pas aller jusque-là quand même. Ah si, parce que j'ai vu, ça suçait bien du cul. Hein. C'était copé comme cochon. Ah, c'était. Ça m'étonnerait quand même. Mais... Ah bon, c'était sur le même trottoir en train de faire la même chose. Ah mais ça, après que ça soit sur le même trottoir... Adam H5, on prend le dernier appel pour le braquage en 50-48. Je sais pas, vous mettez vos putes au même endroit, vous? Eh c'est ça, moi j'ai connu, tu sais, j'ai connu des criminels, tu sais, Fabrice, tu étais là, quoi. Tu rentrais dans leur quartier ou sur leur zone... Mais moi j'ai connu le marché où si tu vendais les saucisses à côté d'un vendeur de saucisses, tu te criais dessus. Là, c'était le marché, quoi. C'était le marché, ouais. Deux étals. Incroyable. Presque l'impression c'était la même tenancière. D'accord. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, moi, je me brûle, vous faites ce que vous voulez. Je me doute, parce que oui, j'imagine que vous... Adam H5, 10-31, sur la même sultan bleu et jaune. C'est pas que... Vous voulez se gérer, on arrive, on va lui kisser. Je vais l'enculer, lui. Vas-y, cule-le, cule-le. Voilà, nous, c'est juste par rapport aux pseudo-menaces envers les forces de l'ordre. Une fois, pas deux. Sinon, après, on est du domicile devant chez les Vagos avec des armes et puis on fait du contrôle. Je peux comprendre, ça m'étonne un peu qu'il soit allé jusque-là. Je leur ai déjà dit plusieurs fois qu'on n'était pas là pour faire la guerre à la police. Donc, Ah, il était malin, il était malin. Pas de raison particulière, mais... Ouais, il était malin. Par contre, la prochaine fois, c'est simple, là. C'est que là, on était plutôt gentil. La prochaine fois qu'il a un contrôle et qu'il fuit alors qu'on est armé, il se prend une balle dans le dos. Je le dis, qu'il le sache avant tout. Une fois, pas deux. Voilà. Le délit de fuite devant officier armé, arme sortie, une fois. À la deuxième, on la bat. Direction Nord 70-23. Je ferai passer le message. Vous avez pas que le message à faire passer. Impeccable. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. Vos gars sont pas en garde à vue. On a fait des procédures très simples, on a juste récupéré ce qu'ils avaient sur eux et ils ont dégagé. Direction sud-est, 70. On espère que cet avertissement ira pour vous. Pas de problème, je fais passer le message. Allez, vous souhaitez la bonne soirée. Pareillement. Au revoir. Fatigue, chef, il me fatigue tout cela. Personne n'y a jamais dit à un criminel de sa vie qu'il arrêtait les conneries. H17 deviennent Adam H17, début de patrouille. Vous avez l'air de galérer le cadet, non? J'essaie de lui faire apprendre tout doucement les ordres de... C'est qui la centrale? C'est moi pour le moment. Ah oui, vous avez rédoté le WISO à vos unités. Bah si, j'ai fait sur celui d'appart. Reprise de visuel, on est en dessous de l'Ital Siro. Et là, vous avez noté que Cooper. Cooper avec Junior. Non mais vous notez pas où ils sont les zips? Bah là pour le moment, ils viennent simplement de partir. Ah, j'attends simplement d'avoir les zips. Bon allez, je retourne en patrouille. Chef, yes. Vous êtes le meilleur chef. Vous êtes le plus beau chef. Putain, je suis content, j'ai tiré une cartouche ou deux. Ça fait du bien ça. Faut pas hésiter, il y a les HTC. Ah non, non, moi je tire les cartouches sur les criminels. J'ai fait les peleux, j'ai tout fait chef. Oh. C'est très bien. 28-10-31. 81-36, en dessous de Little Séoul. Alors, vous avez bien compris, que ce soit Vagos, Balas, peu importe, j'en ai rien à foutre. Dédé, c'est un débile. Il aime la loi, quoi. Tu sais, il faut que ça rentre, quoi. Adam H17 se rend sur l'appel de 30-51. Tapez dans les saisies. Tout ce qui vous les aurait pris. Ah non, non, eh non, chef, devinez ce que j'ai fait. J'ai tout laissé au LSPD. Donc, j'ai dit, j'ai trouvé les mecs... Ils vont me détester. Mais non, ils vont trouver que vous êtes... Donnez-moi le numéro du commandant, je vais le prévenir. Ah, mais je crois qu'il s'en était douté, vous savez. Demandez-moi le numéro du commandant, je vais l'appeler. C'est Bilops, hein. Bilops. 86-60. Je vais l'appeler. Je suis malin, j'ai trouvé un mec qui a moins de grade que moi, j'ai dit, vas-y, prenez ses yeux, occupe-toi-en. Malin, malin le lynx, je l'appelle, je l'appelle. Ok, d'accord, pas de soucis, mec, bonne soirée. Bonsoir. Commandant, lieutenant Davis, à l'appareil, vous allez bien? Oui, ça va et vous? C'était juste pour dire que j'ai niqué vos unités, je suis désolé, je m'excuse. Comment ça, vous avez niqué mes unités? Et le chef, il m'avait dit, prenez saisies, mais j'avais pas envie de faire les papiers, alors j'ai trouvé moins gradé que moi chez vous. J'ai dit, oh, gamin, prenez saisies. Moi, qu'est-ce que je fais? Du coup, je demande à moins gradé de chez moi de vous les ramener. Exactement. Que vous, du coup. Et après, je donne au chef, quand ça, il retrouve un moins gradé chez vous. Et on fait ça pendant 3-4 jours, enfin, je m'en s'occupe. Ouais, ouais. Bah, je vais vous présenter mes excuses. Je sais pas, il était là, il était beau. Oui, on a discuté avec le chief et on s'est déjà grillé. Il m'a dit, c'est certain, il l'avait dit, Bilops. J'ai dit, oui, mais oui, le commandant, il est malin, il avait compris que j'allais mettre. Allez hop. Que les mecs, ils allaient vers le Grand Jure de chez nous et pas vers votre voiture de chez vous qui était pourtant beaucoup plus près, oui. Et ouais, mais ça, c'est parce que aussi, nos voitures, elles sont timides, elles sont grises, elles sont là, les gens. Et elles voient les vôtres, elles sont blanches, elles sont belles, elles sont là. Je sais lequel c'est, je dirais, c'est un peu moins con, du coup. Voilà, vous direz la prochaine fois, faut qu'au pire, ils disent, je vous la mets dans votre voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien joué. Merci, Commandant. Allez, maintenant, lieutenant. Oui. Putain, il va me foutre une procédure, il y a de ces quatre. Il va tout me mettre. Je sens que vous allez la prendre, celle-là. C'est la vie, ça, chef. Sinon, il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et faites attention, le connaissant, avec sa rancune, il pourrait vous trouver la pire qui existe. Ouais, c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, hop. Courage. Lincoln 3. Code 4, retour patrouille. Au commandant ? Oui, je vous rappelle, on a une petite info. Il y a un de leurs gars qui est couru derrière un des autres pour dire un truc, c'est Newton Jones Taylor, d'accord ? Oui. Il est pas content. Si jamais vous voulez refaire ça, ils vont prendre des usines pour vous tirer dessus parce qu'ils sont pas contents. Voilà. Important que vous le sachiez, quoi. Bah, attendez, moi je vais directement chez eux, c'est pas grave. Bah. Attendez, j'ai dit ça au chef, on va aller chez eux direct. Attendez, j'ai fait une marche arrière avec les gyros là. Mais refait. La fois qu'on a récupéré, ils sont pas contents. Enfin, lui, il est pas content. Après, pour le connaître un peu, il est complètement abruti, et puis il a quand même des chefs, quoi. Qui sont un peu moins abrutis que lui. Ouais, alors peut-être on va faire ça. Ok, bah je transmets, je vois ce qu'on fait. Vous voyez, comme on dit, chez nous, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. Ouais, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, d'accord. Merci à vous, Colin. Allez, pas de soucis, à plus tard. FO du LSPD, donc les Vagos se sont tellement mécontents envers les SHP qu'ils ont dit que si jamais on refait ça, ils nous tirent dessus à l'usine. Très bien. Bon, on sortira les gilets pare-balles, on sortira les MP5. Les caracaras, fusil à pompe. Et les demandes SAS ont été faites. Je les ai envoyées au gouv. Impeccable. Et où le capitaine, il est avec le gouv là? Bah normalement il est discuté avec le gouv aujourd'hui. Je crois qu'il parle le capitaine. Je vais appeler le gouv moi. Je vais tâter une petite. Comment il s'appelle déjà? Reynolds. Je l'appelle. Pendant que je suis de patrouille. Je vous tiens au courant, chef. Y a pas de souci. C'est occupé, oh, jamais il décroche. Jamais il décroche. Par contre, à l'allure où on va se tirer des ennuis, il va falloir réinvestir en armement. Hein. Chef, vous voulez consoler ce marché dessus oh? Non, non, mais je dis juste qu'il va falloir y songer. Le bon paix, chef. Le bon paix, chef. J'ai presque envie d'aller patrouiller chez les Vagos, ça va. Le camion roule comme un abruti, oh. Darnel, il roule comme des cons. Je veux dire, Fabrice aussi l'a eu. Oui, allô? Ouais, tu as essayé de m'appeler? Oui, madame Collins qui te dit bonjour. Oh, elle est où? Et alors, elle est un peu triste, elle a pas son SMS de prise de service. Ah merde, elle est où? Elle est où? Elle a machin qui trappe. Elle est où? Elle est où? Vous êtes avec? Ah oui, je suis avec la 80 38 36. Allez, à plus tard. Sur le contrôle du dernier 31. Running gag. H1, je prends l'appel en 1000. H5, 10, 4. Ils sont où? Je t'attends, mais il est où? Il est où? 80-32-6, oh, je peux pas l'inventer le truc, ils sont où? Je veux bien moi, mais ils sont où? Dans la ruelle? Oh, je suis pas débile, ils sont où? C'est quoi tout ce zip? J'y suis arrivé, y'a personne. 81-36. J'ai pas le mot, j'ai pas le mot. J'arrive. Mais t'es où? J'arrive. Mais t'es où? J'arrive. Mais t'es où? Place les cubes. T'es où? Place les cubes, j'arrive. Mais t'es où? Place les cubes. Place les cubes, mais. J'arrive. Et il va... C'est très... Madame Collins. Madame Collins, comment vous allez? Oh, parce que je pense que les criminels, lieutenant Martel, n'aiment pas vous croiser, c'est pour ça. 17, prise de service, Madame Collins. Lieutenant Davis. Oui, bonsoir, ça va ou quoi? Excusez-moi, j'étais en train... Eh oh, j'ai une blague pour vous. Qu'est-ce que j'en ai qui attend? Où ça? Répétez. Non. Et là, c'est les Vagos, ils ont tenté, ils ont perdu. J'ai tiré sur tous les Vagos qui passaient haut. Ah d'accord. Ils étaient là, j'ai dit bonjour, c'est trop le police. Il m'a dit, je crois pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Il m'a dit, je m'en vais moi. J'ai dit, pop. J'ai pris mon arme. L'officier du LSPD, il est arrivé, on a fait dos à dos, c'est bien tiré sur les Vagos et les Piovra. Ils étaient tous sur le même trottoir alignés, là, à se sucer la bite. Ils bossent ensemble. Ah, d'accord. Ils font du deal. Et je leur ai dit, oh, ça bosse ensemble. Ils m'ont dit, non, non, c'est pas vrai. J'y suis quand même. Ça ressemble quand même à un début de 69, à votre histoire. Ah oui. Ah, du bitacu. Ah, du bitacu, d'accord. Du bitacu, quoi. Du bitacu. Ouais, du bitatif. Non, c'est pas le 69, hein, le bitacu. Là, le bitacu, c'est la solomie. Ça, c'est le... Je vais aller en garde à vue, s'il vous plaît, cette soirée devient beaucoup trop longue. Le 69. Je vous mime avec des mots. Comme par rapport à la SMR, là. La 69, ça fait... D'accord. Je vais aller en garde à vue. C'est un très beau mimage. C'est qui est là-bas? C'est Axano, ça? S'il vous plaît. Ah non, c'est pas... C'est les Families. Mais la voiture qui part, elle annonce. Ah ben c'était des fougères, mais ouais. J'en ai marre. Non mais il y a quelqu'un qui nous a piqué le véhicule, il faut que je cours derrière ou c'est à nous vraiment? Non mais non. C'est bon, c'est à nous. Oh. Relâche la pression des vis, relâche la pression, tu es tendu ce soir. Tenez, tenez. Tu es tendu. Oh le nounours, ouais. On se donne, on a un objet fétiche entre nous. Celui qui est le plus tendu donne l'ours à l'autre. C'est l'ours peluche, on l'appelait Teddy. Un petit top, ouais. Il fume des joints, lui? Et le... Près de jouer, il fume l'ours. L'ours. Ah oui, c'est joli, putain, l'autre là, par rapport au film et tout. Bah ça va, ça fait des bêtises? Non, nous jamais. Non, on est juste, on s'est stationné là tranquillement. Oh, je la déteste cette voiture, c'est à vous? En fait, on travaille. C'est à vous, ça? Oui, je la déteste cette voiture. Comme la Flash GT, la Easy Sport et... Je les déteste toutes. Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est que tout votre garage, je le déteste de base. Ah, et bah... Ah mais j'ai peut-être pas faire les sup en 6-6. Ça, c'est une bonne idée, ça. Bah... Ça, c'est une très bonne idée, parce que ça a des gros pneus. Je pense qu'on peut faire entraîner les cadets au tir dessus. Bah non. Oh. Est-ce que vous seriez... Alors, j'ai une question. Est-ce que vous seriez d'accord pour braquer le supérette? Mais... Avec ça? Non, est-ce que vous... Mais on envoie les cadets à armes réelles, juste qu'ils s'entraînent pour le tir. Pour le tir. Super. Au pire, vous pouvez pas me faire ça avec les verts? Apparemment, vous êtes copains, enfin copains. C'est compris, quoi. Oui, non, mais dans le sens où vous nous avez confondu avec les verres tout à l'heure, donc c'est pour ça. Je dis, bah, faites ça avec les verres plutôt. Comment ça vous a confondu avec les verres? Mais vous nous avez dit, mais c'est pas un verre lui, quand madame m'a abordé. Détends-toi, Davis! Détends-toi! Oh, il est sirène! Il y a peut-être des balindres à niquer, oh! Faut tirer, faut tirer! Au tir! Et si ça passe par là, bougez pas, bougez pas! Si ça passe là, ça passe! C'est vert! C'est vert en plus! Ça deux cartouches tirées! Peut ne louper, oh! Je recharge! Putain, c'est génial cette ville! C'est les falas! Eh, on vous laisse! On y va! Oh, c'est génial! L'adrénaline, l'envie d'avoir envie! Bon courage pour le boulot, oui! H148. Soyez sage, madame Collins! Toujours lieutenant Davis, toujours! En fait, lieutenant. Dites-moi! J'ai toujours pas mon permis. Hey. Fabrice. Oui. Il nous a niqué le gamin. Et pourquoi? Il faisait pas vérifier, il a pas de permis. À part temps, il m'a dit au fait, j'ai toujours pas le permis, au revoir. Oh, c'est pas très grave, il s'en bat les couilles. Tout ça, on va le récupérer lui. Oui, bah dès qu'on le rechopera, on l'amendera pour ça. H3, code 4. Un permis, je t'avoue que je m'en bats les couilles. Ouais, tu me diras. Tu vois, au départ, eux, ils voulaient nous trucider. Mais t'es là, on s'arrête sur le bord de la route, tu rigoles avec eux, quoi. Ouais, enfin, il a quand même enragé quand je l'ai pité. Ah ouais, tu l'as pite? Ah mais bien sûr. Tu as fait pite sa mère? Ah bah, je l'ai rangé. Tu sais quoi, on devrait mettre les dashcam et faire un concours de pite. Tu crois qu'il s'est mis tout seul là-bas? Putain, ne pas confondre avec un concours de bite. Je pense au moins qu'il est un petit faible pour toi qui fait exprès que tu le pites. Ouais, en fait, il a pris son virage de trop large. Donc moi je suis arrivé plein de balles, de côté, poup. Voilà. Putain, qu'est-ce que je fous comme de mon grand genre moi aujourd'hui? Je sais pas ce que tu fais avec ça. Et moi non plus. Le chef il est à la centrale encore. Mais il note pas où que sur les jeux. Et bah rien, le chef ou quoi? Et Cap, il est pas là aujourd'hui? Il devait voir le gouverneur, mais je sais pas où il est. Donc je vais rappeler le gouverneur. Fait de savoir où que ça en est, l'histoire par rapport au papier, par rapport à la folie là. Tu lui refais l'explication si nous. Je lui dis, je fais la grève, je pète tout. Je lui dis que moi, je suis engagé. Avec mes collègues, je suis engagé. Moi, je pète tout. Je fais la grève. Ah, je te rappelle, Fabrice. D'accord, tiens mon courant. Je peux plus, c'est vraiment l'unité, ça balance entre police, académie, et le pire c'est que notre unité marche. On rigole, on délire, mais s'il y a un ordre qui est donné, on le fait fin. C'est génial, moi c'est tout ce que j'aime, voilà. Et prendre des risques aussi, hein. Moi j'ai toujours dit que des policiers en Lincoln, c'est génial, ça couvre plus de terrain, mais tu prends plus de risques. Ça, voilà. J'appelle le gouverneur. Ça sonne, ça sonne! Gouverneur adjoint Reynolds. Monsieur le gouverneur adjoint, mes respects, lieutenant Davis de la SHP, comment allez-vous? Vous êtes beau. Merci lieutenant, ça fait aller vous-même? Écoutez, tout allait bien jusqu'à ce que j'apprenne le poteau rose. Le poteau rose. Le poteau rose. Vous avez eu mon collègue hier, Martel. Oui, monsieur Martel, oui. Il m'a dit que vous avez dit que vous étiez occupé. Actuellement, monsieur le gouverneur a de jouer, avec tout mon respect, de succombe par rapport à votre titre. Je dois vous indiquer le susnommé du fait qu'aujourd'hui, la politique des EMS par rapport au fait qu'ils jugent tout le monde de moitié fou, qui est 12 pages de questions à la cause, style est-ce que quand tu étais petit, ta maman, quand t'as touché le kiki, tu as bandé? Oui, ah, tu refusais, interdit. Pour toi, c'est fini. Bloque un peu le système de recrutement. Aujourd'hui, vos unités de police, dans votre politique dite de sécurité, fait sur le fait qu'il y a presque 30 personnes qui souhaiteraient rentrer en tant que cadets de Los Santos, aussi bien à la San Andros de patrouille que par rapport au LSPD ou BCSO. Le fait que ces abrutis du village, ils bloquent tout et c'est la merde. Ça a été discuté hier justement en réunion avec votre état-major, celui du LSPD et le BCSO, même s'il ne parlait pas beaucoup. De quoi? Ainsi que les hôpitaux. Le BCSO? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les shérifs. Jamais vu. Jamais vu? Jamais vu. Non, non, jamais vu. Pourtant, je fais les éthers tous les jours. Hein. Jamais vu. Ah, c'est l'unité de police? Oui, qui s'occupe de compter de blé. J'ai jamais vu. J'ai demandé aux collègues s'ils ont déjà vu, mais je crois pas, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Ah bah, si, ceux qui étaient chez les Park Rangers avant, ils doivent connaître, oui. Parce que moi, je suis là depuis 15 jours, j'ai jamais vu. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, bougez pas, monsieur le gouverneur adjoint. Moi, le BCSO, vous dites, j'avais vu. Jamais vu. Je... Si, tout à l'heure. Si, j'ai formé un cadet tout à l'heure. Ah, on me dit, c'est bon. Excusez-moi, monsieur le gouverneur adjoint. Mes collègues à côté de moi me disent, si, ils ont rencontré les cadets, puisque c'est nous qui formons les cadets du BCSO. Hein? Oui, parce que comme ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de gradé, les cadets, ils viennent à SHP pour être formés. C'est nous qu'on gère le Nord aussi, c'était pour vous dire, hein, monsieur le gouverneur adjoint. Non, mais c'est bien la coopération entre les services. Ah, c'est pas de la coopération, ça, c'est simplement le fait qu'on a... comme ils étaient pas là, on les a avalés, quoi, on les a mangés, c'est du coup, voilà. Donc, par rapport à tout ça... Moi, j'ai pas avalé le cadet. Oui. Par rapport à tout ça, par rapport aux EMS, parce que nous, clairement, je vous la refais, mais le questionnaire de 12 pages, imbuvable, qu'ils offrent 2 par semaine, parce qu'il n'y en a pas plus de formés, et qu'en plus de le questionnaire, c'est 12 pages qu'avec des questions bizarres, que si à un moment donné, vous avez eu envie de faire caca, alors que c'était le jour... Ou alors que vous avez bandé à envoyer un scooter, c'est terminé, fini. Recaler la fonction publique. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, je vais te faire, nous on a été mutés pour pouvoir faire tout ce qui est accompagnement, formation et intervention. On l'a encore fait ce soir. Voilà. Mais si on n'a personne à former, aucun intérêt d'être là, quoi. On est d'accord. Je les ai encore eu au téléphone tout à l'heure pour leur expliquer que c'était peut-être un poil un peu trop violent, leur bordel. J'ai lu le questionnaire pour la première fois hier, moi, donc... Ouais, pas, parce que là, pardon, mais nous, on a je sais pas combien de cadets on a tâte, on a au moins 5. Ils sont bloqués. Et ils ont fait leur demande où? Ils ont fait leur demande, ils ont pas vu le bosser, les gars. Ils sont là, oui, on apprend que 2 par semaine, c'est long, machin, mais... Qu'ils arrêtent de nous faire chier, ils sont en bonne santé, ils nous posent 3 questions. Est-ce que t'es débile? Non. Nickel. Est-ce que tu vas tirer sur des gens par plaisir? Non. Est-ce que d'habitude tu tues des chats? Non. Allez, c'est bon, bienvenue à la police. J'entends bien, lieutenant, je comprends, mais le truc, c'est qu'ils m'ont donné le nombre de personnes qui étaient inscrites, là, j'ai eu le LSES. Ils m'ont donné le nombre de personnes qui étaient inscrites. Ils m'ont dit que pour la SHP, ils en avaient qu'un. C'est des conneries. Ils étaient inscrits il y a 2 jours. C'est des conneries, il n'y a que 1 en attente, c'est fou. Beaucoup plus. Ils en ont 5 en attente en tout sur tous les services au LSES. Ils sont allés au BCS, ceux qui sont en attente? Et j'en sais rien, où ils sont allés, je suis pas le chef. Le chef, il tourne déjà en rond, essayer de mettre qui est en patrouille. Qu'est-ce que vous dites? Mais j'en peux plus, oh! Oh, on est à 2 doigts de la grève, hein! À 2 doigts! Deuxième CP qui a suivi la grève, carrément? La grève, on pète tout, hein! Allez, 10-4, c'est des 8 ici. Bon, vous avez le Attendez, excusez-moi, monsieur le gouverneur adjoint, il semble que j'ai des problèmes. Je demande aux collègues, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au lieutenant Firo? Le lieutenant Firo, il boude. Il boude de quoi? Parce que t'as tiré sur la voiture en VRT. Très bien, c'est quoi ce numéro, Firo? On te trouve après. Nickel, impeccable. Lui, je lui dirais se faire enculer, lieutenant ou pas. Excusez-moi, monsieur le gouverneur adjoint. Petite querelle entre policiers. Vous avez coupé le micro? J'ai cru comprendre ça, ouais. Non, j'ai pas coupé le micro, j'ai pas de problème qui l'attend. Le beau boss, c'est le gouverneur adjoint, c'est pas le LSPD. Donc, il y ait putain de lieutenant avec un truc dans le cul. On a opération anti-vert à ce moment. Il y a une voiture verte qui est pour chasser, j'y fais les polos au 9 mm. C'est la base. L'autre, il chouille dans son coin. Qu'est-ce que, chef, excusez-moi, monsieur le gouverneur adjoint, ça vous semble illogique que l'autre, c'est le merdier là aussi. C'est la fête au village là. C'est la folie. Bon, il faut absolument qu'on recrute, chef. Hein. Ah oui, bah, ça, je dis pas le contraire. Vous allez, avez 2 tiers d'effectifs à remplir. Impeccable. Bon, allez, je vous laisse, je devais appeler Chouiner. Mes respects, monsieur le gouverneur adjoint. Bonne soirée, lieutenant. Il est super sympa, ce gouverneur adjoint. Super sympa. Terminé, on fait plus grève, je vous le dis. Alors, lieutenant Efiro. C'est quoi ce numéro, l'autre co? 2 secondes, je cherche. 2 secondes, ça s'écrit pas, 2 secondes. Le numéro, c'est plus bizarre. 1939. 1939. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est pour le coup de. Ah, tu veux pas qu'on se mette sur le parking? Je crois qu'on a mis un embouteillage. Viens, fais semblant qu'on fait la voirie. Je l'annonce. H3, 1048 à 5034. 14. Alors, je vais appeler l'autre là. Chef, je vais appeler Firo. Ouais. Oui, bah, parce qu'il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé pour le coup de feu, parce qu'après la première nuit, ces hommes s'en sont ramassés une juste derrière aussi. Pas de souci, je m'en occupe. J'y vais avec délicatesse et négociation, chef. Et doigté. Surtout j'appelle, je m'occupe du tact. Ça va commencer par va te faire enculer. À tout de suite. Ah, d'accord. Allez, hop. Pas commencer à me faire chier, lui. Oh. Je l'appelle. Oui, allô. Lieutenant Firo. Oui. Lieutenant Davis, mes respects, ça va? Bien et vous? Oui, impeccable. J'appelle pour savoir pourquoi ça chouine. Que ça chouine, comment ça? Mais le chef il me dit oui. C'était juste pour savoir. Non, non, ah, non, non, le chef il me dit oui, et Firo il m'a pété les couilles, il me casse les couilles lui, ça chouine, ça chouine, ça chouine. J'appelle. Ah oui, d'accord, bah j'appellerai le chef après. Qu'est-ce que je veux dire? Non, non, c'est juste qu'il y a eu une CP de chez nous qui est passée à côté d'un contrôle à vous, qui a eu des coups de feu, et apparemment il y a un des coups de feu qui est passé à côté d'une unité, donc c'était juste pour savoir le pourquoi du comment. C'est pas le pourquoi du comment, c'est opération anti-verre. Opération anti-verre. Vous êtes à la poursuite d'un véhicule vert, vous êtes 3 unités dessus, vous n'arrivez pas à la péter. On tâte les pneus. Oui, d'accord, enfin, c'est juste voilà, pour prévenir qu'il y a un coup de feu qui est parti à côté du véhicule de mon unité, quoi. Donc ils ont fait s'en prendre une, quoi. Je sais tirer, il n'y a pas un coup de feu qui est passé à côté de votre unité. Et eux, c'est ce qu'ils me disent, après... Et c'est pas la faute si c'est les abrutis aussi, vos unités, oh. On a tiré sur la voiture verte. Voilà. Mais donc, c'est juste pour savoir le pourquoi du comment. Mais le pourquoi du comment, vous êtes à la poursuite d'un véhicule vert. Il y a opération anti-vert, je vois un vert. Il est poursuivi, des collègues engagés, je tire. Mais attendez, oui, ça va se passer, oui. Vous avez des nouvelles? D'ailleurs, les jaunes là. Les jaunes? Oui. Hey. Ils sont revenus à votre bureau, tu veux? Oui, ils sont venus, ils ont dit on s'excuse, et puis apparemment, il a dit ouais, LSPD, moi de toute façon, je vais chercher l'usi, je les nique. Oui, bah oui. Il va être bien reçu, oui, il va être bien reçu. Compliqué de chez eux. Bon, pas de soucis. Allez, si tout va bien, impeccable. Allez, pas de problème. Pas de soucis. Allez, bon courage. Je rappelle le chef. Écoutez-moi ça. Oh, je suis prêt, je suis chaud. Chef, il va vous rappeler, Firo. Parce que moi je l'ai appelé, je lui ai dit oh le chef il me dit vous avez un souci, ça chouine un peu. Mais je dis non, non, de toute façon, comment ça, ça chouine, je vais rappeler votre chef, je vais lui expliquer la vie. Et apparemment il y a le lieutenant, chef, il voudrait vous expliquer la vie. J'ai pas tout compris, comme quoi c'est toujours pareil avec vous, tralala, j'ai rien compris chef. Je vous le dis. Voilà, donc il va sûrement vous appeler, oh restez ferme, le chef c'est vous chef. Il y a pas de souci. Voilà, et l'histoire, je vous explique l'histoire. En fait, nous il y a une voiture verte qui a forcé le barrage, on a tiré, comme d'habitude. Et la police, elle a entendu le coup de feu, elle a dit quoi? Elle a dit « Oh mon Dieu, on nous tire dessus, c'est les collègues !» Ils sont totalement débiles, ils sont pas formés, les spillots. Il n'y avait pas de barrage. J'ai bien compris, vous avez simplement ouvert le feu... Sur la voiture verte, pour faire les pneus, c'est anti-vert. Tu peux pas faire passer l'idée qu'il y avait barrage. Je suis la politique zéro vert. Exactement, et eux ils étaient là en mode « Oh, on se fait tirer dessus par les collègues !» Et le LSPD a cru que c'était vous qui tiriez sur le LSPD. Voilà. Donc après, l'autre, il vous appelle, je suis là, vous m'appelez, je l'appelle, je lui dis, oh, pourquoi tu chouines? Et là, il me dit, quoi, le chef, quoi, machin? Bah, j'ai rien compris. Puis à moi, il était gentil. Quoi. Je dis, non, non, je comprends. Pas de problème, des bisous. Je l'attends, pas de problème. Je suis là, chef, je suis là pour vous, vous êtes au bout. Pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, une affaire réglée. Je vais faire plier le gouverneur et puis j'ai enculé le LSPD. Et là. Ça va ou quoi? Tu vas enculer le LSPD. Je sais rien, il m'appelle, il me casse les couilles aussi. Oui chef, vous allez bien? Est-ce que vous me permettez de faire un avis de recherche? Sur moi, mais je suis là, Sophia, je suis là. Pour le contact de Davis, Derek, parce que je l'ai pas trouvé perso, et je pense que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Pour le quoi? Non mais pour le quoi? Je vais y aller tout en tact. Ah pour le tact. On fait une avis de recherche. Oh ça m'éclate. On fait ça, Sophia, tu fais ça, tu passes capitaine. Oh, tu passes... courage, je me débrouille, tu passes capitaine avec Ferguson si tu fais un avis de recherche sur mon tact. Nickel, parfait. Au courage. Hein. Meilleur. Le tact du lieutenant Davis. Tu fais ça, tu passes capitaine direct. Ouais, il m'a dit non, c'est bon, le tact, c'est moi qui vais le manger, il a dit. Ah, mais c'est beau, on va pas passer 3 heures pour des chouinades. Madame H5, code 4, prise de patrouille. Il n'y avait pas de barrage quand même. Oh, si, il y avait un barrage. Il n'y avait pas de barrage. Et bien sûr que si, ça barrait pas la route totalement, ça barrait sur un trottoir. Sur un trottoir. Oui, donc pas de barrage. Bref. Bah si, il y a un barrage. Merci, Sophia. Il y avait un barrage. Moi, regarde, je me suis mis tout de suite du côté de Sophia. Tu vois, Fabrice, on est 2 contre toi. Fabrice, ose nous dire après ça que tu n'aimes pas les cônes, et là, on se fâche définitivement. Merci Fabrice. Avec plaisir. J'ai peur, j'ai cru qu'on allait plus être amis. Moi, ça, alors ça m'aurait déchiré le cœur. T'inquiète pas, tout va bien. Déchiré le cœur. Au pari que si je regarde la centrale, le chef, il a pas noté où qu'on est. Mais on lui a pas dit où on était. Bien sûr que si, j'ai fait le call radio. C'est vrai, on lui a dit. Il note pas. Il opte pas, il opte pas. Oh putain. Il essaye de tout point. Black 4. Début de livraison 1000. Ok. Allez, nous on prend l'avant-dernier appel. Allez, à plus tard. Vous pourrez prendre l'appel en 534. Et 10-4, chef, on est juste à côté. Merci bien. Adam H17 prend le dernier appel en 10 euros. J'ai eu une coupure de gorge quand j'ai vu Black 4, c'est pré... Lincoln 3, code 4. Coup trop loin quoi. T'es style débordé là. T'es débordé là. Là on est sur... Attendez, je vais le giro madame. On est sur un déplacement. Un problème oui. T'es style débordé là. Tu as fait le max quoi. Tu as tout donné. Tu as tout donné. J'ai hésité à faire un passeport tellement j'ai été loin quoi. Ça décolle madame, je vais être obligé de contrôler votre passeport. Oh. Lincoln H1, code 4, 45. Et 48 sur le car. Et 183, 150, 38. Et 14. Cette soirée, mais cette soirée. Oh. Coupé ma radio? Non, elle est là pourtant. Cette histoire, elle va mal finir pour Dédé en vrai. Mais vraiment mal. Ça va mal finir. Merci à tous ceux qui ont mis des subs, des resubs, des beats, des follow. Merci à vous notamment... 7 qui vient de... Et code 4 sur 5034. H1, mais c'est pas style mon... Adam H5, contrôle radar en 5011. C'est celui de Miguel. On est d'accord que c'est le mien. Adam H17, pied à terre en 10-0. Disquette et disquette. Et au soir. Bonsoir. Monsieur, contresens, oui. Monsieur, il faut, voilà, si vous pouvez, s'il vous plaît. Contournez-le par la gauche, ça va aller. FPK, merci à vous, monsieur. Et 10-4. Je croyais que c'était le mien, j'étais en mode, mais... Eh ben non, il ressemble, c'est pas le mien. Oh, cette soirée. Je disais merci à 7 qui vient de resub, merci à toi 18e mois parmi nous, merci à Blobla, 3e mois parmi nous, merci à toi, merci à Docteur Deep Shadow, 16e mois parmi nous, merci à Puxley, merci à toi pour le 5e mois, merci à Kuma 2400 qui vient de resub aussi, merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Finir en mort RP DD. Pas raison. En vrai pour l'instant tout se passe bien. Oups. Ça va se faire virer. Bon, elles ont pas assez, hein. Dans la fonction publique. Lincoln H3 plein au FTC. Du Tela Davis, bonsoir. Et bonsoir, vous tentez d'imiter le chef, hein? Ça s'est cramé. Pas de raison que je relève le niveau. Bah si. Si c'est vrai. Techniquement il est pour ça. Ouais. Après voilà, hein. Tu manges, bon appétit. Merci. Voilà voilà, ben, appétit. C'est un fondant de chocolat pour fondant. Pourquoi vous sortez l'autoroute côté de l'oreille? Si. T'es parti par où? Bah si. Mais t'es parti par où? On prend d'autres routes aussi, il y a des chargeurs, hein. On prend l'autoroute qui est montée. Lincoln H3, code 4. Tu prends l'autoroute qui monte? C'est-à-dire? On va voir la station qui est décentrée. Ah, t'es de l'autre côté, bah on va se croiser. Je remonte direction BCSO, et puis on va se croiser. Pas de soucis. A plus tard, hein. A toutes. On a vraiment besoin de s'arrêter aux barrières, quoi. Je crois pas. Tiens, parce que je suis bourré, mais même pas. Oh. On n'a jamais vu d'aider aux EMS. Toujours pas. Curieux de voir quel gang va choper Dédé. Ah, aucun, ils ont aucun. Merde, oh, putain. Ils ont aucun intérêt, ils vont se prendre toutes les forces de l'ordre. Les gangs, ils feraient mieux de se poutrer entre eux et se faire la guerre. Ils ont des raisons de le faire plutôt que de poutrer la police. Poutrer la police, c'est gratuit. Tu poutres la police, tu te prends toute la police, c'est la règle. Les verres ont bouffé, les balas ont bouffé. Maintenant, ils veulent enlever Dédé, ils enlèvent Dédé. Hein. Je leur souhaite bon courage. Hein. Enfin, je veux pas être ceux qui enlèvent Dédé. Hein. Je pense que t'enlèves Dédé. Tuer Davis pour représailles. Mais ça se passe pas comme ça, tu vas pas tuer quelqu'un comme ça. Ça marche pas comme ça. Putain, les virages, les virages, les virages. Fabrice, il va retourner le quartier si je suis un VO. Dédé enlevé. Je devrais pas être ceux qu'on enlève Dédé. Quand on arrive en ville, il faut passer à 90. Quand on arrive en ville... Lieutenant Davis, bonjour. Ça. J'ai déjà tout pété. Hein? J'ai déjà tout pété. Ah, c'est vrai? Je te fais résumer. La journée, je sais pas. L'après, je sais pas là. Depuis que je suis arrivé ce soir, j'ai chopé les Vagos qui étaient en train de dealer dans un coin aligné avec la Piovra, tous ensemble, tous se copaient. Voilà. Et quand je suis arrivé, ouais, que j'ai voulu faire un contrôle, j'avais du LSPD Raffort, et le mec il m'a dit je crois pas, je vais me barrer et je t'emmerde, grosso merdo. Donc j'ai sorti mon arme, ils sont pas partis comme ça. La plupart, ils ont des pneus qu'au sauter, je te le dis tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Donc les Vagos, ils ont dit sur colère, si jamais on refaisait ça, bim, usine dans notre gueule. D'accord. Voilà. J'ai vu Madame Collins, eux sont plutôt cool. Hein. Même si apparemment Fabrice il dit que ça a choulé un peu. Et après quoi? Si c'est Firo, il m'a fait chier. On est opération anti-vert, il passe à faux avec une voiture verte qui poursuit, on tente de faire les pneus, nous, sur le bas-côté. Et l'autre, il m'appelle, oui, vous avez tiré sur les forces de l'ordre et tout. J'ai dit, oh, ça ne connaît, on casse les couilles, lui. Bref, et après, il a dit qu'il a expliqué au chef qui est le chef. Je dis, bon courage. D'accord. Voilà, on est en patrouille. Super. Il y a des nouveaux cadets qui ont été formés. J'ai eu le gouverneur adjoint qui fait son maximum pour faire sauter le truc médical à la co, mais il voudrait qu'il soit retravaillé. Ah, je sais, je l'ai eu au téléphone aussi. Voilà, donc ça, impeccable. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Tu l'as un peu bullshit sur le nombre de personnes en attente, non? Non. Comment ça, non? Non, non, il a appelé. Ils sont où les 4 autres qui sont en attente, là? De TAP? Bah, tout, on en a 4 à prendre, on en a pris que 2. On en a pas 4 à prendre, on a 5, on a 4 cadets déjà. Bah ouais, impeccable, alors on est beau. Il nous en reste plus qu'un. Alors on est beau. Ah ouais? Eh bah, impeccable, c'est beau, comme ça, ouais, il se bouge le cul, sinon il va jamais bosser. Ah. Ok. Mais je vais te trouver, tu veux d'autres cadets, je te les trouve. Ouais. Alors en plus, on peut choper ceux du BCSO parce que de toute façon, apparemment, c'est nous qui les formons l'après-midi. Ah oui, j'ai compris ça, oui. Et apparemment, Williams était très content. Elle a dit que la prochaine fois, elle les mange. Je n'ai pas tout compris. D'accord. Voilà, c'est à peu près tout. Là, on commence à avoir une patrouille du soir intéressante. Il y a 3 Adam, 2 Lincoln. Ça va aller de mieux en mieux. Dès qu'on aura passé quelques-uns officiers juniors, on pourra en recruter de nouveau. Et puis, ouais, ça va aller impeccable. Ça ira mieux. Et puis ouais, pour le TAP, là, pour le PPA Force de l'Ordre, on est en train de voir, on va faire une réunion avec les directions des services médicaux pour un... Non, faut qu'ils arrêtent de chier, quoi. Ah bah, de toute façon... C'est moi ou tu as miaulé? Hein? Tu as miaulé? Miaulé? Tu me parles, tu miaules? Non. Non. Je suis en menage. Je suis pas dans du bon. Ouais, faut... J'ai cru que t'avais miaulé. J'ai cru que tu me parlais des coups de... Miaou. Mais il faut... Enfin, de toute façon, on va leur... Enfin, moi je vais leur dire la chose clairement, mais à mon avis, ils vont pas apprécier. À mon avis, ça va mal se passer. À mon avis, on va faire ce que je pense qu'on va faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra. On va essayer de la faire de la manière douce comme le gouverneur veut, et puis si ça marche pas... Mais... Ouais, ce que tu fais, dès que tu veux une méthode avec plein de tact, tu m'envoies. Oui. Et quand tu veux que ça passe crème, tu y vas toi. Mm-hmm. Souvent, tu m'envoies, et après tu rattrapes. Et là, crème, impeccable, du nougat. Ouais, on fera ça, ouais. Bon, pas de soucis. Moi, j'ai encore eu les menaces de mort. Ah. Non, mais ça va, je gère. Si à chaque fois que t'es un connard que tu contrôles, qui t'y apprend la vie un peu, il te menace de mort, tu es pas rendu. Ah bah ça c'est clair. Voilà, donc moi ça m'inquiète pas. Et si j'ai dit qu'il y a le LSPD aussi, ça le voudra. Comment ça? Mais j'ai gardé les saisies. Ah non, j'ai filé les saisies. J'ai dit au LSPD, ah, oui. Moins gradé que moi, je dis allez, prends, gamin. Le commandant il m'a dit je vous oublie pas, la prochaine fois je vous dis que... J'ai dit ouais, vous inquiétez pas mon commandant. Bref. Non, non, voilà, après cette histoire de comment ça s'appelle, de... Oui. De lieutenant Efiro à la co, là, qui me fait chier pour... qui dit que j'ai tiré sur les unités du LSPD. Ah oui, bah j'ai clarifié avec le commandant, il y avait de moi, donc je suis à côté de lui, donc ouais, j'ai appuyé. Il n'y a rien eu, il y a qui panique, quoi. Il passe, il y a un tir qui est réalisé pour faire les pneus, les mecs ils ont paniqué, Firo il s'excite tout seul, hein. Ouais, faut qu'il se détonne. Bah, apparemment ouais, il a pourri le chef, ce qui est bizarre c'est ça, c'est qu'il a pourri le chef m'a dit appelez-le, j'appelle, le mec il est tout gentil avec moi, quoi. Donc à un moment donné, faudrait qu'il peut-être il respecte un peu le chef, quoi. Au pire il m'appelle moi, on discute. Je vais devoir te laisser parce que je l'ai fait patienter là, mais allez, vas-y. Okay. Tu me rappelles au besoin. Avec le commandant, allez, je vais devoir... Eh bonjour. Hein. Non, pas bonjour. Ah, dites pas bonjour. Et vous avez été délivré chez les cons, quoi. Dites pas bonjour, quoi. Pas bien là. Je crois que j'ai mangé des sushis pas frais. J'ai pas des sushis pas frais. C'est quoi les... Ça mal, je prends quoi? Antibiotique, antidouleur. Je prends antidouleur. Au pire, je prends de l'antibiotique. Je prends tout. Je prends tout, putain. Je prends tout. Je prends tout. Je me sens mieux. Dédé, mais quel enculé. Vous avez remarqué que mes persos, ils ont toujours une vision des choses. C'est pas drôle. Si tu fais un... Moi, je trouve pas ça drôle si je fais quelqu'un qui est tout neutre dans tout ce qu'il fait. Moi, j'ai cru l'entendre miauler en fait. Adam H5 pour reprise de patrouille. Adam H17 code 4 et reprise de patrouille. Et disquette pour H5 et disquette pour 17. Sur commune pour SHP, on est en 1031 sur une sultan bleu sur, au niveau du point E, direction sud. 10-4, vous avez une unité. Adam H17, on est en 1000 si besoin pour le call interservice. Et répétez. On est point J s'ils ont besoin d'aide ou à l'SPD. Et 10-5, on est en dessous. Allez, 4. Le véhicule est parti direction Palmer Station et nous a distancés. Et 10-4. Central pour information, Lincoln 3, j'ai raccroché sur le dernier call aussi. De visuel au niveau de 3064. Le temps bleu avec sticker, 4 personnes masquées à bord. Adam H5, on prend le dernier appel en 50-67. Les disquettes. Madame H45 sur commune, on a le visuel, il prend 30-61 direction Sandy Shore. La voiture est toujours en direction de l'échangeur Sandy Shore. La voiture vient de passer le Dino Rose, toujours direction Sandy Shore. Adam H17, 10-19. Putain, je suis pas sur la bonne. Et perte de visuel au niveau de l'échangeur de Sandy Shore. C'est quoi qu'on cherche ? C'était une bleue. 48 en 50. Sultan bleu sticker jaune. C'est bon, j'ai ma réponse. Oui, oui, c'est ça. Reprise de visuel direct de Sandy Shore. Et 10-5, il monte sur l'autoroute direction Spalecto. De BCSO, 10-4, on raccroche. Et 10-5, il fait demi-tour. Voilà fédéral, toujours direction sud. BCSO 10-4, on est derrière vous. On va le rattraper avec ça, ils vont tous à 200. Je suis à 170. L'insultant continue, direction sud sur la freeway, on va bientôt arriver au point A. 10-5 de SHP. À 10-5, la voiture sort au niveau du point A, direction ouest. LSPD, est-ce que vous voulez une unité rapproche? Perdu le bail. La voiture tourne à gauche et passe derrière le bureau du procureur. Monte dans les collines de Vinewood. On va arriver en 60-79. La voiture a continué dans les rues en 60-88. Et perte de visuel de la Sultan classique dans les rues en 60-88. Et de l'esprit, on prend les parallèles direction ouest. Sur commune de BCSO, code 4 sur la Sultan. Adam H5, code 4 en 50-67. Et disquette. Lincoln H3, code 4. Adam H17, reprise de patrouille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Aucune explication. Madame H17, pied à terre pour AVP en 92-47. Sorling, c'est ouf. Mais comment ils sont cons les civils là, je suis pas chaude, hein. Je pense qu'on va finir à... Moi je suis dans la 4-4 et... Sont... Ouais. Bah... Les soirées sont plus compliquées quoi. Lieutenant Martel, ça vous intéresse un peu de moto? Avec le sergent Davis. On peut tenter. On fait ça en triplette. On peut. On fait triple lynx. Allez. Allez, 10-19 alors. Allez, nickel. Lincoln H3 pour central. Et merde. Rechubé la centrale encore ou quoi? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Peut-être que je peux vous aider. Non, j'étais au téléphone simplement. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous garer sur le parking et pas sur le bord de la route, c'est pour votre sécurité aussi. Ouais, je t'envoie, y'a pas de problème. Est-ce que tu as une bonne soirée? Merci également. Donc, Davis. Alors, je vais le remplir ça, Dominator 3. Ah, ça c'est bon. Hop. Patrouille. Je suis obligé de mettre à jour le truc, ça déconne. Ouais. Quel offert. Alors. Oh les beaux. C'est pour ça qu'il répond pas. Voilà, la baston fait partie de mon boulot, c'est pas pour autant que j'ai envie de me battre tous les jours quoi. Le message est pris. Adamage 5, 10, 19, bah écoutez, sur ce... de H5. Et donc, toujours envie de tirer le SULJ? De quoi? Toujours envie de tirer le SULJ? Qui vous a dit que je voulais vous tirer dessus au Uzi? Plusieurs personnes de chez vous au LSPD. De chez moi? Non, je crois pas avoir dit ça de chez moi. Et j'ai dit à un des flics, oui, que j'aurais pu et que j'en avais envie de venir vous fumer, oui. Ouais, rien que pour ça, en fait, je vais aller camper là chez vous et que les armes à l'assaut, en fait. Vous prenez pour qui aussi? Écoutez, ah, je ne l'ai pas fait, déjà d'une. Mais je pour qui vous nous prenez, vous aussi? Pour des guillolos habillés jaunes qui sucent des queues avec les putés de Piovra. Vous prenez pour qui, monsieur? Ah oui, d'accord. Mais vous prenez pour qui? Mais vous, vous prenez pour qui, monsieur? Encore une menace, et je vous assure que je viens devant chez vous avec toutes les unités. Moi, ah ouais, toutes les unités, je viens. Et okay, vous faites la vie dans la rue de rien du tout. Vous prenez pour qui, monsieur? Dans la rue, ils ont un peu plus de respect. Je les rencontré, les gangs, des gens qui viennent de la rue. Vous avez zéro respect, ils ont un minimum de respect pour les gens. Ils ont un minimum de respect pour tout. Vous avez du respect pour que dalle. Du respect pour que dalle, déjà. Là, du respect pour que dalle. Je suis là et je suis en train de discuter. Vous discutez déjà, pas, monsieur. Déjà, il y en a un minimum de respect. Et non, vous n'en avez pas. Et tirer sur un homme qui part à moto, vous appelez ça du respect? Parce qu'il refuse de soumettre à un contrôle? Donc vous êtes prêt à flinguer des gens juste parce qu'ils refusent de soumettre à un contrôle? Exactement, monsieur. Ça marche. Mais je vous attends avec votre Uzi. D'ailleurs, au passage... Je n'ai jamais parlé de Uzi. Si, 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 vous n'avez même pas les couilles. Vous l'avez dit à la police, etc. Mais c'est pas ce que je parlais d'armes automatiques, je n'ai pas forcément parlé d'Uzi. Vous avez parlé d'armes automatiques. Impeccable. Eh bien, on va vous garder en arrestation, monsieur. On va aller en parler avec le procureur. Vous nous dites détenir des armes automatiques, monsieur. Ça se trouve, je n'ai pas dit que j'en avais. Et vous venez de nous dire que vous avez la possibilité de revenir avec des armes automatiques. Vous êtes donc détenteur d'armes automatiques et vous venez nous avouer avoir des armes automatiques. Nécessairement. J'appelle au procureur, j'ai une perquisition chez vous. Ça se trouve partout les armes, vous savez. Il n'y avait plus personne. Faites des déductions un peu hâtives, je trouve. Je ne fais pas des déductions actives, monsieur. Comme vos réactions sont un peu hâtives aussi. Mes réactions sont hâtives de rien du tout, monsieur. Vous allez réapprendre que cette ville appartient aux concitoyens. Et pas aux petits criminels notoires qui se baladent et qui dealent avec la Piovra. J'ai jamais dit que la ville m'appartenait. Ensuite, la Piovra, je suppose qu'elle branlait là et j'en ai rien à foutre. Donc, même pas ça assume, quoi. Ça bosse, ça semble, mais ça assume pas. Quoi? Alors, je vous l'ai dit, je viens d'arriver. C'est pour ça que j'ai refusé de me soumettre à votre contrôle. Je suis arrivé littéralement 10 secondes avant vous. Je sais pas combien de gars, moi, il y avait sur place. Je savais pas que la Piovra était sur place. Et vous savez rien, quoi. Ah non, vous savez, quand je vais aux usines, je me renseigne pas de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tout ce qui m'intéresse, c'est le client. Je vous le dis, c'est la dernière fois que vous menacez. C'est bien la dernière. Mais à aucun moment je vous ai menacé en plus. Monsieur, quand vous dites, c'est ça le truc. Monsieur, quand vous dites que vous avez envie de revenir avec une arme automatique, ça s'appelle des menaces. Ça s'appelle des menaces. Dire à un officier de police. J'ai tellement le somme que je vais revenir avec une arme automatique. Ça s'appelle des menaces de mort, monsieur. J'ai dit que j'avais envie de le faire. Si ça s'appelle des menaces de mort, monsieur. C'est pas si je le prends. Et tirer sur un homme qui part à moto, c'est pas des. Eh bien, la prochaine fois, vous vous arrêtez, monsieur. C'est pas le problème. Vous prenez pour qui, encore une fois? C'est pas la fête au village. C'est pas un putain de cirque. Vous êtes pas Bozo le clown. Mais vous aussi. Mais moi, de quoi? Pour qui vous vous prenez? Mais vous débarquez tout seul. Il y avait la Piovra et il y avait les Vagos. Qu'est-ce qui aurait pu vous arriver si on avait décidé d'être réellement menaçant et agressif, comme vous dites? Qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé que vous auriez pris le bal dans la tête de mes collègues à langue et que mes autres collègues à langue vous auraient fait le cul. Mais vous prenez pour qui? Vous croyez que la ville, elle est à vous, monsieur? Avec votre pyjama jaune, ce que vous faites, vous rentrez, ta gueule, ferme ta gueule maintenant, oh, tu te prends pour qui? Ta gueule, ferme ta gueule, parce que tu vas te prendre... Dernier avertissement, tu prends un coup de matraque, soumets-toi. Tu te prends pour qui ici? La loi, c'est nous. Donc maintenant, ou tu te soumets ou je te couche avec eux. Dernier avertissement, tu te prends pour qui? Blaireau, tu te crois où ici? Je suis là et je discute. Tu te crois où ici? Tu me frappes. Tu te crois où ici? Un poste de police. Dernier avertissement. Ça menace de mort. Ça indique que ça veut revenir avec les armes d'assaut. Ça se prend pour qui? Soumets-toi à la police. Soumets-toi à la police, je te dis. Mais tu veux que je me soumette de quoi là? Je suis pas ton copain, t'arrêtes de me tutoyer. J'ai pas besoin de me soumettre de... Mais moi non plus. Pas de problème, on va venir chez vous, on va coper jusqu'aux armes à l'assaut, on va prendre le bureau du procureur et on va venir faire une perquise. Arrête de menacer la police. Mais je menace. Ça suffit. Alors arrête de dire que tu vas revenir avec les armes à l'assaut. Parle avec ton chef et tu verras si j'étais là pour menacer ou quoi que ce soit. Je suis là pour essayer de faire descendre la pression. Mais toi là, à allumer le feu aux poudres comme ça, ça va mal finir. Dernière menace, je l'ai redit. Allez, on part en état d'arrestation devant le procureur. C'est ça, ça s'appelle des menaces. Depuis quand ça fait la loi comme ça? Ça s'appelle des menaces. La suite des choses. Tu fermes ta gueule et t'arrêtes de menacer, sinon te fais le cul. Tu fais quoi? C'est clair. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais on est en train de rien faire. Ça fait le malin, ça se fait niquer le cul, c'est clair. C'est toi qui les fais, les menaces. Je fais que répondre. L'agressivité, elle vient pas de moi. Moi, je suis venu discuter. L'agressivité, elle vient de votre côté. D'homme à homme, forcément, vous êtes agressif, je le suis. Il y a zéro agressivité. Tu menaces, tu bouffes. Écoutez, je vous laisse avec votre gars, on peut pas discuter avec lui. Pardon? Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Je te parle 20 fois. 20 fois, tu fais des menaces. On va revenir avec des armes à seau. Ça va mal se finir, etc. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Ça ferme sa gueule, ça fait les contrôles, et ça s'occupe déjà de ces petits copains de la Piovra ou de je sais pas quoi, qui te dit que ton territoire, de quand vous serez des grands garçons et que vous serez des vrais criminels, on pourra discuter. Entre temps, tu arrêtes. Et tu files. Ça marche. File dans ta chambre. Blaireau. Ça les connaît. Chef, sauf mon respect, à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul, là. Vraiment, hein. Il menace devant vous, il parle d'armes à l'assaut et tout ça, vous bougez pas, oh. Vous êtes quoi? Pro-discussion avec les gangs? Les mecs, c'est trois pauvres blaireaux en pyjama et pro-discussion? J'essaie de comprendre d'abord la situation, parce que, bon, moi, les menaces, je les avais pas eues jusqu'au moment où vous êtes arrivés. Moi, la seule chose qui était venue me dire au départ, c'est qu'il avait refusé votre contrôle et que vous lui avez tiré une balle dans le pneu pour essayer de l'immobiliser. Sujet qu'il trouvait douteux. Là-dessus, je lui ai expliqué simplement que c'était de la procédure. Ça, c'était la base de pourquoi il voulait me voir. Allez, chef, vous êtes chef de service ou quoi? La partie armes d'assaut, je les avais pas eues à la base. Lui m'en a pas parlé non plus. Donc maintenant, si effectivement il décide de monter en tension, H17, 16, 2 minutes. Eh chef, il faut vous placer là, à un moment donné. Ou c'est moi que vous engueulez, vous me rétrogradez, vous me punissez, vous faites ce que vous voulez, ou lui, vous lui dites de fermer sa gueule et vous le remettez à sa place. Mais vous pouvez pas être entre les deux, quoi. Avec tout mon respect. Vraiment. Vous pouvez pas être entre les deux et décider au dernier moment, quoi. Vous êtes chef de service, ou quoi. Donc si j'ai fait de la merde, vous me rétrogradez, vous m'engueulez, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Quoi qu'est-ce? J'ai faim, j'ai faim. Avoir mal fait, vous n'avez pas fait. Donc je peux pas vous rétrograder pour ça. Bonsoir. Je vous regarderai pas pour ça en tout cas. Vous avez fait votre job. Maintenant, ce que vous venez de m'énoncer, j'en tiens compte effectivement. J'ai mal réagi. On va prendre l'hélico pour trouver notre connard là. J'ai pas réagi. J'avoue, effectivement. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Et je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Ah ouais, chaud. Mon optique, il y est. H5, 17, bonne soirée à tous. Ok. Allez, impeccable. De Hector sur commune, on a un Camacho en 40-01 en off-road. Je tiens compte de ce que vous avez pris, ce que vous avez dit. Et je ferai en sorte de serrer la vis. Et sur commune de Hector, mon opinion, je l'ai. Ce qui s'est passé, non, je ne suis pas pour la criminalité. Pour essayer de dialoguer, oui, mais je suis pas pro-criminel, quoi qu'il arrive. Ça n'a jamais été mon optique. Maintenant, j'ai essayé d'être peut-être trop dans la discussion et moins dans l'action. Alarme 34, 10, 23, pénitentiaire. Et c'est peut-être le problème. Allez, sergent, on y va. Je demande au sergent s'il veut, au lieutenant s'il veut que je prenne une G36 ou pas. Oui, 10, 23, pénitentiaire. Mais il m'a pas répondu. Qui est moi? Ah non, pas l'autre. Bon, pour le problème. Permission de retour à leur patrouille. Accordé. Bonne patrouille. 10-4. Tango 16, reprise de patrouille. On va sortir les BF pour trouver le trou du cul. Eh, génial. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Pète le couille. Qu'est-ce qui t'a fait engueuler? Non, même pas. Mais j'arrive dans l'accueil, là, l'autre Vagos qui est en train de discuter avec le chef. Le chef, oui. Ça fait 3 plombs et qu'il a plus la radio parce qu'il essaie de négocier avec tout le monde dans tous les sens. Oui. L'autre, quand il me voit, l'autre, il dit ah oui, c'est lui là, casse les couilles, là. Et puis là, il est là, il dit oui, je lui dis t'as toujours envie de sortir à Uzi? Il dit non, j'ai pas dit les Uzi, j'ai dit que j'avais envie de vous fumer avec une arme automatique. Je dis chef, attendez, il nous menace là. Il dit non, c'est pas des menaces, pas chef, l'autre il est au-dessus. Je dis mais non, tu fermes ta gueule, tu arrêtes les menaces, sinon tu tombes dessus. Il dit oui, je me fous, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris la matraque, j'ai dit ça, tu vas le prendre de la gueule. Je dis mais non, tu arrêtes les menaces. Et là, il dit oui, ça va mal finir, vous prenez pour des cakes, des cow-boys, machin. Et bam, j'ai mis dans la gueule. Yo, maintenant t'arrêtes. Et le chef, il reste neutre. Oui, ma gueule, il me dit reste à ta place, je te rétrograde, je punis. Ou alors il dit au Vagos, on va vous chier à la gueule. Il reste neutre, il attend là. Il attend là, et après, limite, il s'excuse. Il s'excuse auprès de moi. Ah, je sais pas, chef, peut-être ça les connaît. Je m'emmerde. Tu t'es pas fait engueuler? Mais non, je me suis pas fait engueuler. Mais je me suis pas suivi non plus pour autant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas suivi. Je me suis pas senti suivi, quoi. Pas d'intrusion fédérale, seulement une évasion. Mais si je vomis. Mais t'es là, je sais pas si je suis allé troller ou pas. Mais c'est encore une fois, tu arrives de cette ville, c'est les gangs qui font la loi. Tout les gens de la police, là. Ceux-là, ils se laissent sodomiser. Ils se mettent sur le bord de la route, ils baissent le pantalon, ils sont là, enculez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Ceux-là, oh, c'est les membres de gang, c'est bon, enculez-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand le mec il te dit, oh, nous on revient que les armes auto. J'ai chef, il vient de nous dire qu'il a des armes auto chez lui, qu'il va revenir. Il dit, on appelle le proc, là, on le garde. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, mais ça déconne, tu vois, la police, c'est des jouets aux criminels. C'est des jouets. Ils sont malaxés dans tous les sens, il faut sodomiser non-stop. Et tu dis, chef, on fait des trucs. Ah, non. Je comprends pas. Moi. Donc le mec, j'y ai pété la gueule à la traque. Donc le truc, c'est quoi? Ça va me retomber dessus. Maintenant, c'est pas que je me fous, quoi. Bon, allez, on va voir. Hein. Bon, et BF4C, mais je suis d'accord avec toi, il bouge pas toujours, hein, comme d'hab. C'est relou. Si peut-être il aime très jouer dans la. Enfin, je sais pas. Franchement, je suis dégoûté, Fabrice. Mais je te dis, je suis dégoûté, oh. C'est les BF, merde, j'avais mis les Akuchou dans le dispatch. Parce qu'il faut aussi que je fasse le dispatch en plus que je fais le reste, là. Non, mais ça déconne, oh. C'est quoi, je vais même plus m'en occuper, oh. Tu sais quoi, à son grade de lieutenant, il peut se le carrer où je pense. On met quoi comme fréquence? C'est quoi la fréquence sur moto déjà? 158. T'es faut. Le problème, c'est qu'alors on n'a plus de fréquence commune, et nous. Bah la commune, on s'en fout d'avoir la commune, non? Mais parce que tu n'as pas suivi qu'il y a une évasion? Ah bah je suis sur la moto là. Et le précasse. Eh oui. Attends, tu mets. C'est quoi? C'est ça, 37. C'est quoi le bouton pour parler là-dessus? C'est surtout pour Anton de moi qui m'intéresse. RAS aérodrome Grapside. H3 pour Central, départ de Lynx, H3, H10, H11, renommé Lynx. Allez hop, H14. On va se faire les... vidéos. Et la montagne. Oh, ça n'est pas arrivé l'automne, je me sens mal. Je me sens mal. Mais il faut pas te sentir mal, il faut le temps qu'on les édicule. Je me sens mal. De cette situation, je me sens mal pour tout, quoi. Il faut juste le temps qu'on les éduque. Vas-y, je te suis. Ça fait qu'une semaine qu'on est là. Laissez-vous sur la terre, non, ça t'a. Il faut que je fasse une pause. Faut que j'inverse les fréquences ici. Et vous avez pas mis votre gilet, Williams? Ah, c'est pas faux, oui. 157 et 158D. C'est bien? Allez-vous. Bon, attention à la fréquence moto. Allez, je t'attends. Allez, 4. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte sur la montagne et on ratisse toute la montagne jusqu'au nord. C'est beau pour moi. Tu feras juste gaffe que ça suce pas mal les motos. Maintenant, comme dit Sophie, ça fait quoi? Ça fait une semaine et 10 jours qu'on est là. Et c'est seulement dans une semaine qu'on va commencer à voir un peu les... Et les choses. Ah, je dis pas le contraire sur ce coup-là, j'ai pas compris. Je t'avoue peut-être que je suis allé un peu trop loin, Fabrice, sur ce coup-là, vraiment. Je suis sorti de Mego. Pour le coup de matraque. Ouais, je suis sorti de Mego. L'autre. Ça dépend s'il te menace de te tirer dessus. C'est petite couille. Donc le mec il te dit oui, j'ai bien envie de revenir avec des armes automatiques. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais qu'il te prend pour un abruti, quoi. Et puis qu'en plus, la menace, elle est déguisée. Même pas ça, les couilles de te dire, viens, fais un V1. Tu sais quoi? Oh, j'aurais préféré. Il me dit, viens, fais un V1 dehors. C'est quoi? Il m'aurait dit ça, serait dehors, on serait foutu sur la gueule, quoi. Mais même pas ça, les couilles. Véhicule en passe là. Traité engagé 93-89 de mode 10-24. Au 16 on est à 8 km mais on raccroche. Arrête-toi, fais pas le co. SHP sur commune, on a retrouvé des fuyards, il y a monsieur Voronov qui est en train de conduire, on est sur Foot Lane. 93-89, on descend vers le sud. 34, on raccroche. Vecteur, on raccroche. 93-88, direction sud-ouest. 93-85, direction sud-ouest. De 93-39, direction sud-ouest. Commune, monsieur Voronov à monsieur Ledger, il dirige vers le PDP. Vous le suivez juste pour s'assurer qu'il aille bien au PDP, s'il vous plaît. SHP, c'est reçu. Oh, le freeze! J'ai adoré voir encore la team premier degré. La moindre scène, il y en a toujours une dizaine, il faut qu'il trigger. De tout. C'est pas juste qu'il fait. Monsieur Voronov? Oui. Bonjour, et grade d'arrivée. Oui. Et pardon, je me suis pas présenté. Lieutenant Davis, SHP. On était juste là pour vous accompagner jusqu'au PDP. Il n'y a pas le réseau. Mes collègues ont une arme sortie pour le simple réseau. C'est le réseau de sécurisation. Ok, ça roule, ouais. Allez, ça marche. Pas de problème. Peut-être ça fait agréable d'avoir des gens agréables. Putain de merde. Code jaune. Oh, les jaunes, vous ne pouvez pas dire. On va partir du coup. Alors là, je crois qu'on va pas repartir. Monsieur Voronov est à votre disposition, pas agressif, furieux. Voilà. Et c'est monsieur Ledger à côté de lui. Je sais pas, monsieur a un casque ou de cagoule. Ça marche. Non, c'est un rabat. Voyons. Ouais. Ouais, c'est lui, ouais. Il était en baignade, je l'ai croisé, bon, je l'ai récupéré, hein. Et il était pas au courant. Ah non, hein, vous avez vu, il était à l'isolement et du coup, bah, d'accord qu'on a fait avec le proc, il savait pas quoi. Lynx, un stand-by au PDP et LSPD. Un jour, je serai peut-être un personnage qu'il faut pas la mettre. Loirico, moi. Ouais. Ah là, qu'est-ce que t'as dit sur l'Africain ici? Je disais sur Central, Lynx, un stand-by au PDP. Putain, 10 4 bien vu. Tu t'ennuierais tellement. Je sais pas si je serais interprété quelqu'un de... Tu sais, qui est pas dans les excès. Qui est pas en train de foutre le bordel, qui est pas en train de faire des erreurs, qui est pas, tu vois. Quelqu'un qui est... J'aime bien calculer, mais j'aime bien me donner, j'aime bien aussi offrir des scènes aux autres. Parce que ce que beaucoup là, qui trigger, sont en mode, ouais, c'est n'importe quoi, mais si j'offre pas ça, au Vagos, j'offre rien. Donc j'offre au chef la possibilité de me punir, j'offre au procureur la possibilité d'avoir une faille, j'offre au... Si t'offres jamais rien, en fait. Maintenant, ils le prennent pas, je m'en fous. Mais... Moi, c'est ma vision des choses en fait. Le mec, il a quelque chose à faire là. Il a quelque chose, il a quelqu'un à haïr. Il a, tu vois ce que je veux dire? Polmar, meilleur mec au monde. T'avais un mec à haïr quoi. Un jour, je ferai un personnage tellement indécis qu'il ne saura jamais choisir. On va dire, tu veux prendre quelle voiture? Ah, je sais pas. Bref. Oui. Enlevez votre... Lieutenant, on est d'accord que pour l'instant, Voronov... Ah, de Lynx, ils sont suffisamment nombreux pour se barrer. Et je me demande si on les accompagnerait pas pour voir comment ça marche, la mise au pénitencier. Il va en prison directe, monsieur? Très bien, oui. Je vais demander s'ils ont besoin d'une escorte. Pas que je lui rende le téléphone. Ah non, j'ai pas fait de CP moi, je vous ai appelé exprès pour... Excusez-moi, il part directement en prison ou pas? Même le chef là-bas il m'a dit... En théorie, oui. Bon, donc si vous voulez vous faire l'escorte... Ok, ça marche. Allez, pas de soucis. Merci. Attendez, faut pas que je me débarrasse de mes objets compromettants d'abord? On va s'en occuper les... Lynx pour Central. De Lynx, on va se mettre à disposition du LSPD pour faire la sécurisation jusqu'au pénitencier. Et rebonsoir. Bonsoir, vous allez bien? On va voir, bien vous. Impeccable, impeccable. Et pour tout à l'heure, j'ai lâché le bidule, les compressions, c'est pas grave, hein. Enfin, y a pas mort d'homme. Oui, ne vous en faites pas. Bon, impeccable. Parce que je serais peut-être mort avant la fin de semaine, les jaunes ils veulent me faire le cul là. Oui, bah vous inquiétez pas, on va s'en occuper les jaunes dans la bidule. Un petit coup de matraque. Oui, ça devient pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? On va voir avec le proc pour l'amende, j'ai entendu que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez vous rendre au convoi pénitentiaire. C'est pas ça que vous êtes en train de faire? Bah oui. Là, on peut vous l'emmener directement au pays industriel, vous dites où on reste à stand-by, et puis on se met sur l'arrière. Ouais, si vous voulez, venez au niveau de l'arrière, l'entrée. Allez, on se met à l'arrière et puis on se tient prêt, on mettra une moto ouvreuse et deux fermeuses ou l'inverse. Allez, bah parfait. Allez, pas de soucis. Ah, on fera peut-être les trois ouvreuses et on vous bloquera les routes. Ouais, allez, parfait. Dans sa spécialité. Allez, super, on vous attend sur l'arrière. Merci. Donc on part au pénitencier, ils sont en train de voir avec le proc. Le but, ça va être une sécurisation, une ouverture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moto bloque, rattrape convoi, moto bloque, et on a trois motos, donc on peut bloquer à chaque fois les routes. Et okay. Si on roule pas trop vite, parce que si on roule vite... Et on va les bloquer à l'imitateur 90, et ça nous permettra de faire le taf. Bon, allez. On est bon? Ils vont pas se bloquer à l'imitateur 90. Et bah, moi je pense que je vais leur dire c'est l'imitateur 90, vous pouvez. Pareil. Allez, on va se mettre derrière. C'est marre là, pareil. Ouais. Attends, je vais aller faire le play, moi, va. Ouais, on peut. Bon, attends, hein. Fais le tour, fais le play. Génial ces motos. Ouais, tu vas toi? Oui. Bon, le chef t'a raconté ou pas? Oui. Bon, moi je sais pas quoi faire là. Pardon, c'est peut-être moi qui ai pété le pile. J'avais parlé un peu avec Martel qui lui dit il trouve pas, mais je l'ai pas là. Écoute, le mec, le chef, il assume qu'il va revenir, qu'il a une forte envie de revenir avec des fusils d'assaut, des armes automatiques. Le chef, bon, je sais pas. Moi je dis maintenant, Jean-Louis, t'arrêtes quoi. Oh, t'arrêtes. Déjà que tu as dit que tu voulais revenir avec des fusils, maintenant t'arrêtes quoi. Et là, non, c'est pas lui, c'est les autres. Je dis maintenant ça suffit, on arrête de menacer les forces de l'ordre quoi. Parce que le mec il fait une fois, deux fois, trois fois, le chef il bouge pas, je sortis la matraque quoi. Et j'ai mis un coup dans la gueule. Maintenant le souci. C'est ce qui m'expliquait. Ouais, voilà, je l'assume. J'ai dit au chef, j'ai dit à un moment donné, s'il faut qu'il y ait une rétrogradation, une sanction, je le ferai, c'est pas de souci maintenant. Stop quoi. Je comprends pas en fait cette ville où c'est les criminels qui décident quoi. Les mecs ils se mettent sur le bord de la route, fla, baisse le pantalon, slack, slack, slack. Non mais ouais d'accord. Moi je pense que de toute façon il faut qu'il il a dit qu'il était conscient qu'il fallait qu'il travaille sur lui-même hein, donc mais c'est juste que le temps qu'il le fasse il va falloir jouer un peu son rôle quoi. Non mais en fait ce qui m'a fait rendu fou, je te le dis, avec tout le respect que j'ai pour le chef, parce que c'est un beau chef, mais ça a déjà été vu avec les Vagos. Je sais pas pourquoi il a demandé au mec de revenir pour arrondir les angles et lui dire non, vous inquiétez pas, non. Stop, je comprends pas en fait pourquoi il a ses unités qui ont géré le truc. Ça a été vu, il avait deux lieutenants sur place, un sergent, lui, et en fait le mec... Il refait le pouet derrière ses unités en lissant le truc avec le mec qui dit quand j'arrive, il fait chier quoi. Le mec il est là, oui machin bidule. Et là j'ai pété une pile quoi. Alors si je suis c'est lui qui a demandé à revenir. Mais j'en sais rien, je sais pas l'histoire du pourquoi, mais qu'est-ce qu'il fout? Une demi-heure il répondait pas à la radio, il était avec lui. Donc après peut-être que j'ai été trop loin, ça se fait pas, ou j'en sais rien. J'assume sans problème, je vais pas me cacher en mode ah non j'ai jamais fait ça, non. J'assume ce que j'ai fait. Oh. Mais maintenant, je ne comprends pas. Le chef, à un moment donné, s'il veut qu'il soit suivi, ben, il faut qu'il... J'ai l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau. Je te le dis. Avec tout mon respect, là, je suis pas effondré, quoi, mais pas loin. Je comprends pas. Moi, j'ai eu l'impression de ne pas être suivi par mon hiérarchie sur ce coup-là. Ouais. Ouais, non, bah, et je remets pas en cause que le chef, c'est le chef, c'est pas ce que je dis, hein. Loin de là. Mais sur cette histoire, je comprends pas, en fait. Moi, j'ai eu l'impression que le chef il se rangeait du côté du gang, quoi. Que n'importe quel gang, il peut nous pisser à l'arrêt, il peut se battre les couilles, il peut dire droit dans les yeux au chef, on a les armes d'assaut, et on va venir. Et le chef, il a, ouais, on discute. Mais on discute pas. Discute pas. Mais si je sais pas, c'est peut-être moi. J'arrête. Voilà, si je suis trop loin, je présente mes excuses et j'assume. J'assumerai si je fais de la merde. C'est pas le problème. Tu le sais. Mais t'es là. Enfin, je pense pas que. De toute façon, il a pas l'air de vouloir. Hein. Ah, et plus loin que ça, hein, le chief, hein, il a l'air d'être, d'avoir compris la problématique et puis de vouloir y travailler. Donc après, est-ce que ça aura suffi à faire bouger les choses, je sais pas, mais. Alors, je sais que c'est un truc qu'il faut de temps en temps au LSPD, c'est le coup de la batraque. Hein. Parce que j'ai discuté cet après-midi avec des mecs du LSPD là, qui me disaient que régulièrement, en fait, quand il y a personne qui regarde, bam, dès que le criminel il ouvre trop sa gueule et qu'il insulte ou qu'il menace, c'est des gros coups de toffa dans le visage, quoi. De toute façon, le mec il joue maintenant alors qu'il est dans un bureau de police. Et les mecs ils disaient que dès que les criminels là, ou les speedy il faut chier, ou que ça menace trop fort, bim, voilà, ça bouffe quoi. Mais là c'est pas une réseau, je suis pas fier de lui avoir mis un gros coup de tofale à son visage parce que ça va attiser le truc quoi. Maintenant, tu vois le truc il est là. Parfois, c'est une vraie histoire. Ouais. C'est une vraie histoire que fait vraiment le speedy régulièrement, je tiens ça de source très sûre. C'est pas parce que vous le voyez pas que ça n'existe pas. Bref, voilà, moi je voulais te dire. Je voulais te dire que voilà. L'histoire en question, je l'assume. À 300%. Et que voilà, j'assume les conséquences. Maintenant je me suis senti un peu. C'est pour H1. Voilà, H1 il va pas répondre. Et j'ai mis la patrouille H8 assemblée pour faire une adame. Il fait tout, il fait rien à la fois. J'arrête. Donc il était en train de papoter avec du monde. Il était. Bref. Là il gère pas la centrale, mais il gère pas les unités non plus, mais il gère pas le M, mais. Il veut être partout, quoi. Il faut qu'il apprenne à déléguer, quoi. Il y a un mec qui fait la centrale, lui, il est état-major et chef, il est chef, il n'a pas à faire la centrale. Il dit, toi, Jean-Louis, tu vas te former, voici la centrale, tu fais la centrale, fais. Je comprends pas. Écoute, moi, je vais faire la sécurisation, et puis voilà, quoi. Mais là, tu pourras appeler Dédé la matraque, quoi. C'est ça, on va faire ça, oui. Bon, à tout à l'heure. Bon courage, salut. Merci. Non, c'est pas du HRP, je le sais en SP. Qu'est-ce qu'il dit le cap? Je sais pas ce qu'il en pense. Dites pas ce qu'il est mis ici. Firo qui dit, non, Firo qui dit qu'après il est en train de voir avec Ledger, le proc, et après on est parti. Ok. Il faudra indiquer un convoi à 90 km/h. Oh. Comment on appelle ça, au régulateur. Au régulateur pour que les motos ouvrent la voie. Hop là, impeccable. Je sais pas. Pareil qui te dit que c'est pas possible. Et ben on verra. Non, le cap il a l'air dépité, mais il a l'air dépité, mais le cap il est dépité depuis plusieurs jours. Comme quoi c'est pas si facile de tenir service quoi. C'est clair. C'est pas. Ça déconne, moi je ferai pas au dessus du tout. Je te le dis. Moi non plus. Pas dans ces conditions-là, quoi. Mais c'est surtout que ça aucun intérêt qu'on soit dessus. Nafiro, il est reçu. D'accord. Paris ? Vous allez bien ? Impeccable, vous, pardon, excusez-nous, parce qu'on a une petite. Ouais, pas de soucis. Petite querelle d'interne. Parce que vous pensez avoir une bonne prise et au final. Banni. Et il sert, ce Voronov l'a rendu, pour éviter de revenir sur ses. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient pris, ils avaient promis qu'ils étaient sages pendant 7 jours, là, je sais pas quoi. Eh oui, c'est pour ça que Voronov il a rien dit. C'est pour ça que quoi? Voronov il a rien dit. Parce qu'il a promis que pendant 7 jours il serait sage. Mais alors attends, je reprends. En fait, c'est cyclique chez eux, parce que c'est pas eux, les violets, qui niquaient tous les policiers, qui insultaient tout le monde, avec qui ça se passe mal. Si. Et qui menaçaient de mort tout le monde. Si, mais ils ont dit, voilà. Depuis ils ont décidé de discuter a priori. D'accord, parce que moi le monsieur que j'ai vu devant, c'était pas menacelant. Hein. Non, 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 il est reparti dans un acte de discussion. Peut-être que chez les jaunes, ils repasseront dans un acte de discussion. Je suis pas sûr, moi. Moi, je pense qu'ils vont essayer de je pense qu'ils vont essayer de nous niquer bien fort à un moment ou l'autre. Hein. Bah, oui, mais c'est très logique. Après, ça va encore me tomber dessus, ça. Très jement. On ira leur faire coucou, tant pis. Ça fait partie du boulot, comme on dit. Ah oui. Ça casse les couilles, mais ça fait partie du boulot. Après, ce qu'on peut faire, Davis, c'est... Tu peux avoir un psy? Moi, tu veux que j'aille voir un psy? Bah oui. Pourquoi tu veux que j'aille voir un psy? C'est nos meilleurs potes pour la mamie. Mais il va me recaler, puis jamais je serai policier. Et c'est pas fou, ça. Si je vais voir le psy. Pas fou. Je pisse. Madame 16. Répétez call. 16 10 23 1000. Donc on y va maintenant, c'est bon? Il y a du sang. Yep, on va être parti. Impeccable. Il y a Fabrice qui est parti pisser là. Fabrice pisse. On arrive à Fabrice pisse. Ouais, ça fait train, et le lieutenant Martel il fait pipi dans le mur, pas de souci. Bon, régulateur à 90, c'est bon pour vous? Yep, on va se mettre à 90. Allez, Fabrice, range ta bite. Que... Fabrice, range ton zboob. Fabrice, hey, range ta bite. Faut qu'on y va. Fabrice, waouh, ça glisse. Fabrice, ils nous attendent là. Faut que tu ranges ta bite. On fait style, t'es rendez-vous, mais quand même. Fabrice. Fabrice, ils t'attendent. Range ta bite. Il a même pas besoin des mains, quoi, c'est incroyable. C'est les mecs, Fabrice, c'est les mecs. Fabrice, oh, t'attends, hein. T'arrêtes pas de crier, rachète ta bite. Fabrice, le casque. Dame 16, code 4 et AVP. H17. Lynx actuellement sécurisation, direction Pit. J'ai une voiture qui s'intercale au dispositif. Et le H17. Bah, je lui ai fait les pneus à lui, hein. Et j'ai vu, je rattrape le cova. Ah, vu qu'il n'y a pas que moi. Je suis unité cow-boy, mon gars. Vrai policier américain. Ah, tu te dis Alléluia, c'est doux, mais ah, dans les viewers, il y en a plein, c'était pas content là, hein, en mode ah, c'est inadmissible. Oh, on est aux États-Unis, putain. Tolérance zéro, mon gars. Amérique. C'est l'Amérique. D'où la matraque de la gueule du journal. L'action, ce sera à 18. Bonne soirée à tous. Faites attention à vous. Et 10-4. 10-4, bonne soirée. Je pourrais vous dire comment. On fait un tour, hein. Il dit à l'étudier sur combien il y aurait la prochaine intrusion en pénitentiaire. Lens, arrivé au pénitencier, on fait la vérif de sécu. BCSO sur commune, c'est bien prêt. J'adore les motos pour les convois. Voilà, ça c'est le convoi comme je les ai. En vrai, les motos qui s'achètent comme ça, j'adore, c'est propre. En vrai, rien à dire quoi. Putain de merde, je parle, je dis, c'était propre comme ça. En vrai, les motos qui s'achètent comme ça, c'est génial. La route est sécurisée hyper vite. Non ? Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un de tuyau ? J'ai la radio qui parle d'oreille, elle a 10 secondes. Tu entends ? Oui, désolé, j'ai la même radio. Ça décolle, oh. Je peux venir à votre radio, ça ne pas. C'est quoi ces radios, gars ? J'étais là, ça y est, le con. C'est une radio, je t'explique, je te fais comme ça. Ouais, c'est un mec qui me dit, oui, alors je t'explique, il paraît que, en fait, j'ai voulu faire le plein avec un collègue et que ça a fait le plein d'une certaine façon, j'ai pas compris, mais apparemment il y aurait une souris dans le machine. Impeccable. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai rien compris, je me bats les couilles. C'était beau comme ça, moto, non ? Oui, c'était bien. Oh, c'était trop bien, oui. Il y a moyen que si on repasse, je vais peut-être recroiser l'autre avec son pneu éclaté, oui. Pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai éclaté son pneu, il a essayé de s'insérer dans le convoi. Il veut même pas essayer de s'insérer, il s'est inséré. Et je crois qu'il faisait partie des ratons laveurs, non? Et donc il a roulé après? Ah bah non, hein, je lui ai éclaté le pneu avant gauche, s'il arrive à rouler avec ça. Hein. société, une entreprise de taxi, c'est une partout aux actionnaires. Ils étaient 6 sur le coup. Ils sont plus que combien là? Et plus que 5. D'accord. Oui. C'est bon, et tout bon du coup. Merci. C'est impeccable. C'est top pour les motos comme ça. N'hésitez pas à nous demander parce que nous on les veut bien. Eh ben écoutez, la prochaine fois on y pensera. Bah, la complexité, en fait, il faut juste que le véhicule qui a le colis, bah, il roule pas trop vite. S'il roule trop vite, c'est super dur en fait. Sur SHP, vous voyez, à 3. Alors, je vous cache pas que dès que vous avez commencé à toper l'autre et que j'ai vu qu'il n'y en avait qu'une seule, on a un tout petit peu accéléré à la sortie. Ouais, vous avez bien fait. En fait, la collègue, elle est descendue, elle a sorti l'arme, elle les a braqués, elle a fait les pneus, elle est repartie. Pas, ni plus ni moins, elle repart dans le convoi. C'est le. Vous savez, chez nous, la matraque, elle finit vite dans la gueule, le pistolet, il finit vite sur les pneus. Tout à l'heure, vous n'avez pas compris, c'était pas sur les unités. À un moment donné. Alors, non, non, mais ça, je me doutais que c'était pas sur les unités. Ouais. Peut-être pouvez-vous nous expliquer, parce que moi, c'est une grosse question. Comment ça se fait que sur cette île, la plupart de la police, dès qu'elle voit un criminel, elle baisse son froc et est d'accord pour se faire enculer? Je l'ai pas. Et c'est pas méchant, ne prenez pas mal envers vous. Hein. Mais juste avec les collègues, on essaye de comprendre, en fait. La police, elle passe des heures à discuter avec des criminels qui buglent. Je vais chercher une arme. Je vais chercher une arme. Je vais vous niquer. Disons qu'avant le ton était plus clément et oui, là, et puis là c'est en train de changer par multiples facteurs, mais et votre intervention est logique. Oui, oui, ben, je sais bien. Oui, c'est vrai, j'ai eu peur. Oui, oui, non, c'était avant que vous arriviez. Mais là on est un peu en train de durcir le ton avec ce qui se passe et l'arrivée de la SHP, ça permet aussi un peu. Vous parlez vraiment d'avoir un autre œil. De la voix, pas du poisson. Je l'ai pas. Le ton. J'ai pas entendu si quelqu'un dit quelque chose, j'ai la radio qui me gueule dans l'oreille. Il parle du ton. Ah, pas au fait de durcir le ton. Ah oui, Adam 16, code 4 sur l'AVP. Enfin, je vous avoue que j'aurais pu penser autant vu l'heure, j'ai un peu faim, mais oui. Mais non, non, mais... Il faut manger. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Oui, oui, quand on peut, oui. Allez. Bref. Allez, eh ben, écoutez, merci à vous. Et merci à vous. Et la bonne soirée. Allez, bon courage. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Et puis le central, c'est ça? Ah, mais il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. Il y a une autre patrouille. Mais pourquoi elle n'est pas au... Si, tout est à jour. Hein. Ah si, ok, d'accord. Ah la minute. Et... Lynx code 4 tour patrouille. On prend le dernier appel en 73-55. Et 10-4. Oh putain, si j'ai mouchoir. Excusez-moi, je vais me boucher. T'as vu ça? Attendu, attendu. Tu l'as pas vu parce que si tu as vu la mort, c'est un problème. Ah, j'ai vu que tu te bougeais, j'ai pas vu la... ce qu'elle est avec. Quand on a un rhume, il faut prendre quoi là? Je me suis mouché. Mouchoir. Ah ouais? Mouchoir, mouchoir. Ça a pas l'air très efficace. Oh, normalement, si. T'as vraiment un rhume? Bah, je crois. Et direction Grette. Où la Grette? Bah, je le suis, ça ira plus vite. Hein. Ah, je vais l'enculer lui. Mais qui qui c'est que tu veux enculer? Mais attendez, on va rigoler, je le savais. Mais qui ça? S56, c'est pour... Dis-moi connard, quand tu t'infliges, quand tu rentres dans un convoi pénitencier, tu trouves pas qu'il y a peut-être un problème? Sur SH, c'est quoi le message l'avant-dernier? Vous en faites pas me dire. C'est un gros com qui a décidé de s'insérer dans un convoi pénitencier. Bien sûr Lex, suivez avec les gyros. 10-4, bah, je voulais gérer la belle. Non. Encore, vous en faites pas. De les dépasser pour faire le kick, et bah c'est... T'es en train de le pourrir, oh. Elle est pourrie. Oh Fabrice, tu l'appelles après ou c'est moi? Oh, tu l'appelles après ou c'est moi? Je vais le faire et c'est mieux, je peux essayer. Ouais, fais-le, fais-le. Déjà, je me suis pris la tête avec trop de monde ce soir. Notre direction par là. Ouais, j'ai pris le dernier quoi. Mais le dernier, c'est pas nous. On s'en fout, on se rapproche, on vide des. Et là, vous vous dites, c'est pas les mêmes qui pilotent. Et hop, le peleux. Vas-y. Oh, 16, 10, 23, en 73, 55. Oui, on s'est fait rater par la police. Alors. Ouais. Ah bah on s'est fait rater par la police. Madame Collins! Ça... Fabrice, Fabrice. Et j'ai vu, c'est Madame Collins, mais c'est ton tir. Hein. Le problème, c'est que t'es milieu, mais on n'a pas de voiture. Les... On n'a pas de voiture. Tu te démerdes. Pas de voiture. J'ai un retour. Allô. Cool. Chacun sa merde. On est sauvés, il y a la police. Ils vont les prendre. Oh, oh, attends, attends, on va dire que c'est pas nous. Attends, dis que c'est pas nous, nous c'est un AVP, c'est un AVP. C'est un AVP, oh, c'est un AVP. Il faut me refiler toute la paperasse, attendez, à un moment donné, attendez, oh, on gère, on gère. On gère, on gère, on gère. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Vous voulez qu'on vous embarque et qu'on fasse la paperasse? Mais nous on est en moto, ça nous fait chier. Non, on veut pas de paperasse, on a déjà une voiture à refaire. Nickel, impeccable, c'est un AVP. Si vous demandez, c'est un AVP. On fait la minimale, on dit pas que c'est vous. Hein? On fait la minimale. Qu'est-ce que vous foutez ça? On fait un AVP, un AVP. Il a dit un AVP. Tranquille, un accident, on a tu récupères les sacs. Et qui c'est les sacs? L'arme, il nous la daigne, si c'est pas un tâton, ça nous arrange bien. Ah non, c'est pas Madame Collins. Putain, ils arrivent, ils arrivent. Si demandent, c'est un AVP. C'est un AVP, je déconne pas. C'est un AVP. Il est dans le buisson. C'est un AVP. Oh le buisson, c'est un AVP, nom de Dieu! Bonsoir, c'est l'AVP. Ah, mais c'est bon, c'est 14. C'est qui 14? Ils ont pas le nom. Le 14, ils... Ah non, ils ont pas de nom. Ah, c'est le gars avec les cheveux blancs, je crois. Ah non, ils ont pas de nom, ouais. Ils ont pas de nom. Ah putain. Non, non, ils ont pas de nom, ils ont que des numéros. Ouais, profitez, peut-être que je serai mort ce week-end. Par contre, il y a le braquard qui essaie de se cacher dans un bus. Le grand braquard, il essaie de partir. Il y en a, ils veulent me tuer. Il sait qu'il... Enfin, ouais, non, en fait, je crois que ça va. Ne demandez pas, la liste est longue, mais peut-être je vais clamser avant le week-end. Ah, vous dites ça en full détente, ça m'impressionne. Des choses qui arrivent. Eh, alors non, c'est pas full détente, c'est qu'en fait, comme on me dit qu'on va me tuer 3 fois par jour, j'ai fini par dédramatiser le truc. Ouais, c'est pas faux. C'est comme, le mec... si, il est de chez vous, il me l'a dit. Ah oui, oui. Monsieur Smith, à la base, il était un peu chaud, et il voulait absolument jouer que mon cul m'ouvrir en deux. Ouais, j'appelle ça mourir, hein. Enfin, à un moment donné, s'il attrape un couteau qui m'ouvre en deux, je meurs, hein. J'ai pas une machine. C'est une spécialité, ça. Pardon ? Le couteau, c'est plutôt Madame Collins, hein. Oui, mais c'est qui le... Comment il s'appelle, ce monsieur? Monsieur Busson. Impeccable. C'est qui a le buté? Bambi. Ouais, tu lui files les sacs. Ouais, tu lui files les sacs, là. Oui, bah oui, ouais. Attention, j'ai l'impression que vous avez un peu le dégonflé. Alors... Ouais. Dégonflé. Faut faire attention qu'ils trouvent pas une cartouche de 9 mm dans le pneu quand même. Et pas un caillou, j'ai tiré le tuyau. Un caillou en forme de balle. Alors, attendez. Moi, les filets, 3 pour 3. Ah bah oui, on vient d'arriver. Eh, vous venez d'arriver, vous avez une carte d'identité. Il y a autant de sacs que de balles dans la voiture, c'est pas mal. Alors, attendez. Non, il y a eu qu'une balle, il y a 3 sacs, une balle, on déconne pas, c'est moi qui ai l'accent du sud et c'est vous qui venez de Marseille, on s'en déconne. Oh, vous avez bouché le port ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Vous avez une carte d'identité, monsieur? Et 3 sacs, pourquoi vous sortez pas? Nickel. Pourquoi vous faites pas les... Monsieur Neru pas. Ouais, Neru, avait pas le souci, je cherche à Neru sur le bloc, Neru, j'ai pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de... Alors moi, j'ai eu des questions, s'il vous plaît. Et par contre, est-ce qu'on peut vraiment compter une course-poursuite, Davis? Non, c'est pas une course-poursuite, c'est... Non, c'est pas une course-poursuite. C'est juste, il y a un monsieur, il a volé une cigarette. Par contre, c'est qui conduisait? Dites-moi que c'est celui du milieu, je veux juste lui gueuler chien dans les oreilles. Non, c'est moi qui conduisais. Monsieur Perrault, il est où le permis? Monsieur comment? C'est lui, monsieur Perrault, lui. Ouais, c'est monsieur Neru Perrault. C'est Neru Perrault. Je l'ai. Et on m'a dit que vous appelez Perrault. Je l'ai pas. C'est quoi ce lot de famille? Donnez-moi votre carte, vous, je vous cherche à Nerupa, y a pas Nerupa. Putain, mais arrêtez de là, venez là, monsieur pas. C'est monsieur pas, c'est ça? Y a pas du... C'est papa, c'est Shankar. Mais oui, Shankar, c'est Neru, Shankar. Et l'autre il me dit, il s'appelle Nerupa. Oh non, non. J'aurais pu vous appeler Pet. C'est pas moi. Nerupette. Pardon, excusez-moi. Nerouspette. Vous l'avez ou pas? Vous le prenez mal, Est-ce que ma blagonnette, monsieur, vous l'avez mal pris? Parce que si vous l'avez mal pris, je vous présente mes excuses. Mes plus plates excuses. Non, ça va. Je suis pas susceptible. Sur la liste de gens qui veulent me buter, ça serait bien que vous n'ayez pas envie. Ça m'arrange. Oui, pour être... Ah non, moi je n'ai pas envie. En plus, vous me rappelez mon père quand vous parlez. Donc. Ah ouais? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? La même voix. Vous êtes un récidive, j'ai pas regardé. Chocolatine ou pain au chocolat? Oh, J'ai vu le film Wanted. Allez, laisse ça. Fabrice, c'est ce qu'il me demande. Vous savez, c'est un mec qui tire. Pardon. C'est un mec qui tire. Ouais, je suis tendu. Ouais. Attendez, on va reprendre ça. Là, ça pourrait mal se passer quand même. Vous avez quand même. Ça, c'est le. Oui, attendez. Ça déconne. Tu sais ce qu'il me demande? Il me demande, au vu de l'accent, c'est plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Là, je dis que là, tout peut, je vais faire une déguerie, Fabrice. C'est chocolatine, putain. C'est chocolatine, bordel de merde. Oh, le con, putain. Bah, moi, j'ai jamais dit le contraire, hein. Vous avez entendu ma voix? Oh, j'ai l'accent qui chante. Moi, je viens avec les cigales. Ah, il fait la cigale. Ah oui, il fait la cigale, il me régale, lui, Monsieur Shankar, il me régale. Avant m'appeler Steven Seagal. Il fait des blagues, il me régale, Fabrice. Elle est où Williams? Oh, ça déconne, il nous régale. Laisse passer le feu de voiture, Williams. Excusez-moi, est-ce que l'un de vous peut bouger la voiture là, même si elle est un peu... Non, pas vous, vous n'avez pas le permis. Non, t'as pas le permis. Et là, vous m'avez dit j'ai pas le permis tout à l'heure, cliché ou un truc comme ça, non? Et pas le chien, j'ai dû rajouter le chien dans ma tête, mais c'était bien joué, c'était bien joué. C'est ce qu'on a dit, Lieutenant Martel, c'est bien joué, il nous a bien niqué. C'est la deuxième fois, la dernière fois c'était avec la Vigero. Bon, on en est où nous? Alors, est-ce que. C'est quoi ça? H11 H11-8 aimable? Mais comment ça? C'est quoi? Mais pourquoi? Fabrice. Mais c'est rien, c'est des remarques qu'on doit les faire, chef. C'est quoi? Mais pourquoi? Mais c'est les... Ça se voit que tu travailles pas, hein. Mais si, je travaille, mais moi je mets des vrais trucs dedans. Dans la remarque. C'est les remarques. Le H11, c'est pour dire quel binôme était sur place ou personne. D'accord, parce que moi je mets... braquage. Comment remplir un casier judiciaire du coup. Braquage de supérette. D'accord. Peut-être que vous nous montrez comment vous faites avec Madame Ginette, hein. Lynx, c'est ça, ouais. Mais là, on n'a pas eu besoin de caresser le nez pour l'instant. Ah ouais? Tu veux caresser quoi? Donc, braquage de supérette, ensuite un petit tiré, ensuite le montant de l'amende que vous mettez, un petit tiré, les minutes de garde à vue que vous mettez. Monsieur Chocard, vous avez rendu les sacs. C'est quoi l'arme avec laquelle vous avez braqué? Pied de biche. Pourriez-vous me donner le susdit pied de biche? Quelqu'un a pris l'appel pour le 50-41? Nickel. Impeccable. Impeccable. Ce qui est bien. C'est quoi ça? Ça déconne, mais vous sortez armé jusqu'au tas. Non, non, je sors rien, moi. Si. Non, j'ai rien sorti, moi. Et vous êtes sorti pistolet, monsieur Shankar. C'est pas un pistolet, ça. Mais si, c'était un pistolet. Mais il faut se dépêcher, mais il a un pistolet, je crois, le monsieur. Mais non, mais non, mais non. Monsieur Shankar, vous avez un pistolet, vous avez fait la bourde, là. Monsieur Perrault, faites-moi. Mais j'ai pas fait la bourde, oui, alors vous aurez montrez-moi votre péril. Bon, quoi? Bon, vous avez pas passé le permis? Non, non, c'est pas le pistolet, je crois que j'ai vu... De toute façon, c'est pas le branlerie, donc enchaîne. J'aurais jamais ce nom pour vous. Un braquage. Ouais, mais si vous conduisez sans permis, il fait comment, moi? Supérette, et je vous mets la minimale. C'est gentil. C'est normal. On va faire un truc, vous allez repartir avec la voiture? Ah oui, parce que si je vous mets la maximale, c'est 10 000. Oui, c'est 10 000 la max. Bon, partez avec la voiture, sauf que c'est pas vous qui conduisez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vous ai pas vu braquer. Je... C'est vous la prochaine fois. Détention de sac. Vous savez quoi? Détention de sac. On les a vu braquer. Donc ah bon? Sans le permis. Et merde. Si vous... Si non, je passe. Voilà, on est d'accord. Oh, j'en ai marre de la porte. Parfait. Braquage de supérette. Braquage. Braquage. Ça vient du Brésil, ça j'ai reconnu. Braquage. Braquage. Des supérettes. 3 sacs. Oh, je suis mort, putain. Braquage. 3 sacs. Mais il faut que je les pêche. Oui, j'y vais. 2500 $. S'il vous plaît. Oh putain. Monsieur Neru. Monsieur Chocard. Ça fait cher le sac, hein. Et eh ben, ça fait cher le sac. Ouais. Ça déconne. La prochaine fois, si vous avez 3 sacs ou 10 sacs, plutôt que de partir, vous voyez, on met pied à terre, on sort l'arme, en mode c'est la police. Et sort les mains en l'air. Dis, c'est bon, j'ai 3 sacs, on arrête. En plus, c'est nous, vous le savez que c'est nous. Par contre, je crois qu'on a du monde, attention, on chie de sa merde devant là. Faites peur à ma moto là-haut. Allez, on y va. On aurait dit les autres, c'était avec les motos. Après, c'est vrai que vous, on vous a jamais vu en BF, hein, donc on savait pas que c'est bon. Et moi, je vous surprends tous les jours, madame Collins, 50-16. Oui, bah oui, ce serait bien de même surprendre le lieutenant Davis. Je sens que vous allez me sortir le mégaphone à côté de l'oreille et que je vais plus rien entendre pendant 3 jours. Bah, je me casse. Ah, nickel, c'est à mon tour, c'est ça? H16, vous pouvez prendre le dernier appel. Vous êtes complètement silencieux, lieutenant. Je trouve pas mon mégaphone, vous avez vraiment de la chatte. Vous avez de la chatte. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah non, mes oreilles, j'ai mangé le mégaphone. Oh, j'ai perdu le mégaphone. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Vous l'avez peut-être fait tomber sur la route. Oh non, putain, j'ai fait tomber sur la route. Vous l'avez peut-être lancé sur la voiture en même temps que la balle de 9. C'est bon, j'ai retrouvé, on a le Collins. Allez, bonne soirée. Ah, mes oreilles. Il y a des citoyens qui attendent. On appelle au béni, hein. Bon alors, ça s'est passé comment ton histoire avec le gars qui était pas content là, Williams? Oh, je lui ai dit d'aller se faire enculer. Ah, tu vois, j'ai des tests sur toi. Ça va le finir, ça. Williams, je déteste sur toi, je crois. On va t'appeler TACT 2. Le gars, il rentre dans un convoi de pénitencier, il me soutient, oui, mais je comprends pas, faut expliquer pourquoi c'est pas possible. C'est bon, ta gueule. Et on va où là? Sur l'AVP. Un message avec un AVP. Réponds pas. Quelle déception. Et là, vous vous dites, mais en fait, Alex se fout de notre gueule quand il joue avec Miguel et qu'il se crache toutes les 3 secondes. Possible. Shankar, Neru, impeccable, c'est indiqué. Ça fait très police brésilienne. Le bon P. Mais après, paroles, là, je me sais juste que vers vous et... Bonsoir. Oh putain, qui vous reconnaît? Hein? Oui. Miguel, tu sais? Et Michael, oui. Oui, il est dans l'article du Weather News. Dans l'article de quoi? Du Weather News. J'ai regardé. Je dis pas ça. Ah, ouais. Lequel? Michel ou pas? Bah, la dernière. Je lisais ça, ouais, au shot, je ne plus. Après 3 mois et demi au Black Cat, Michel décide d'allier sa passion pour les voitures et son travail. Il est alors embauché au Belize. Il décrit son métier comme un pur plaisir. C'est quelle passion? Lieutenant Davis, c'est ça, c'est bonsoir. C'est ça, c'est le pur plaisir. Oui, bonsoir, c'est Steven Seagal. Ah bah, on va prendre du plaisir. Non, c'est monsieur Neru Shankar. Ah, monsieur Shankar. Je vous ai donné 3 sacs. Ah, vous êtes 3 sacs et j'ai après vous donné 27 sacs. Mais je crois que c'est vos collègues qui les ont récupérés. Voilà, c'était pour vous le dire. Ah, il y a plus de sacs. Vous avez 30 tantôt. Oui. Donc, au début, je me suis trompé, j'en ai donné 3, après j'en ai donné 27 qui restaient, mais je sais pas qui les a récupérés. Mais c'est pas chez nous, c'est vous. C'est votre collègue. Ouais, pas de problème. Voilà. On le savait, bien sûr, vous le savez, c'est ce qu'on fait, monsieur. Oui, oui, non, mais voilà, voilà je vous le dis. C'est ce qu'on fait. C'est exactement, c'est bien de vous rappeler, c'est bien. C'était un test, savoir si vous étiez, si vous foutiez de nous, si on devait monter le temps avec vous, non, et test réussi. Aucun intérêt. Non, non, avec non, la main, ça se passe bien. Je suis végétarien. Hein. Non, voilà, donc impeccable, c'est exactement ce que fait. Merci, monsieur Shankar. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si on est la meilleure unité ou la pire unité de toute cette île. Je sais pas trop, j'hésite. 16, 10, 23 en 1000. Pour monter dans... Ah ouais mais là on peut pas monter sur vos motos. Pour monter dans votre voiture. Ah ouais c'est vous ouais. Ouais j'ai un nouveau deal. Okay, tentative de corruption. J'arrive ça commence à tâter les lignes. Tentative de corruptionner là. Ah il y a corruption un coup de chocolat. Je pense que tu vas être d'accord. Vous nous mettez à l'arrière de votre voiture avec les piopiotes. Et nous on vous met à l'arrière de la benne. Et on vous emmène et on vous met autour de la... Alors non, les personnes... Vous accrochez sur la benne, pas à l'arrière de la benne, il y a des paroles. Quoi ? S'il te plaît, les mains à l'arrière de la benne. Avec les ordi, oui. Il y a moyen de s'accrocher à l'arrière de la benne ? Ah oui, écoutez, allez-y. Non, 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 pas allez-y, non. Eh ben n'y allez pas. Non, c'est pas trop Cathy. Non, mais moi je suis gentil avec eux parce que depuis que j'ai failli forcer un barrage de police mais qu'ils ont été gentils avec moi, je dis oui. Oui non mais je suis d'accord mais... Ah c'est vous le copain de madame. On est au milieu d'une freeway, on va pas faire monter n'importe qui à l'arrière d'un camionnette. S'il glisse... N'importe qui, n'importe qui. Je sais pas... n'importe qui m'éternit. Je sais pas quelles chaussures vous avez, si vous glissez, moi ça me retombe sur le dos. Chaussures de sécurité du SHP. J'amènerai une benne chez vous et on pourra vous montrer si vous voulez. Une chère, assez gentil. Et puis on vit. Super. Ah ben voilà, voilà. Vous avez froissé l'agent. Lieutenant. Lieutenant, d'accord. Agent, c'est commun. Lieutenant, c'est sacré. Voilà. Lieutenant Martel. C'est pas sacré, il a une grade, il faut l'utiliser. Bah oui, oui, bah, je le connais pas. Si on casse le cul et le lieutenant, Et c'est pas beaucoup trop de paperasse le lieutenant quand même, c'est un peu relou. Bah c'est sympa non? Et nous, j'ai fait pas de paperasser. Ah, ça c'est nickel. Ah ça c'est parfait. Et nous la paperasse c'est de la merde. Ah ça oui, t'as téléphoné au trou du cul? J'essaye mais il répond pas. J'essaye de remettre sur le couche, ça répond pas. Le problème c'est que... Les idées, c'est un peu comme les trous du cul, tout le monde en a un, quoi. Mais il y en a beaucoup quand même. Envoie des petits SMS toutes les 2 secondes, tu vas voir, il va raccrocher son coup de fil à la con. Mais non, mais il est pas... Il est pas... Il est pas là, quoi. Il est pas là. Ah bah il est peut-être parti. Mais il est où alors? J'ai mis dans le... Non, répond pas. Il est pas là. Il est pas là, mais il est où? Il est pas là. Et dis donc, petit cœur, on bouge ou on reste là-haut? Bah moi... Ouais, t'as pas un travail. Je suis payé, hein, mais... Ouais, oh. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est en train de bosser là. Je suis bien, les vrais. Il faudrait aller bosser parce que sinon, c'est pas comme ça que je vais te payer. Oh. C'est tes impôts qui me payent. Alors, monte de ta voiture et on bosse. Allez, bonne soirée. Il est tampon. Heureusement que le patron est pas au courant de tout ça. Il y a beau de faire le cogno sur le Louisiana News, hein, mais pour bosser, il y a personne. Et c'est le patron en plus. Oui, c'est vrai que c'est le Monsieur le patron. Allez, en parlant de travailler, vous avez toujours du matériel? Pardon? Vous avez toujours assez de matériel hein? Ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas fait le barrage aujourd'hui. Oh. Et demain il faut qu'on fasse un barrage. C'est vrai qu'on a pensé à vous, on s'est dit s'il y a un barrage qui est un peu plus loin là, avec nos deux à l'arrière, ça va être sympa. Non, non. De quoi commencer avec? Je veux plus les barrages. J'ai peur. Il semblerait qu'il y ait une infraction au code de la route qui se prépare. Non. Mais Yoli il est sorti des conneries à la seconde, putain, c'est terrible toi. J'ai une idée en fait. C'est toi qui me finir dans la paix. Je suis pas convaincu que ça soit ça. Bon allez, c'est parti, allez-y, je me place déjà en position, vous pouvez foutre les menottes. Non, on va y aller, on a attendu dans une entreprise. Ouais, bah, c'est pour ça, je vous laisse la bête, j'en peux plus moi. J'en peux plus, patron, j'en peux plus. Oh. Excusez-moi, il y en a de vous, c'est le patron? Je suis avec chapeau Roger. Non. Ah, j'ai rendu Roger, effectivement, oui. Bon, on va peut-être se décaler parce qu'on est quand même sur le côté d'une freeway. Oui, bah allez-y, nous on attend que ça. Bah, on attend notre chauffeur. Notre chauffeur. Allez, papa. Je croyais qu'il était à l'arrière de la benne avec la demoiselle, moi je comprends plus rien. Non, non, mais non, mais pas du tout. Putain, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je comprends plus. Bonne soirée à vous, bonne chance. Faites attention, le patron. Je monsieur Davis. C'est celui que t'as braqué à votre tir. J'ai braqué pourquoi celui-là? Parce qu'il a tenté de braquer, de passer le barrage. Allez, grimpe, patron. Ah, c'est possible, ouais, il y a des gens qui passent le barrage des fois, ouais. Il a bonne journée. Au revoir. Bonne soirée, oui. Allez, salut. Et moi, je vais me faire un 18. Moi, je vais. Est-ce que je suis fatigué? Oh déjà? Ah bah oui, bah... Oh, on n'a pas eu le temps de s'amuser avec des motos. Ah bah on fait que ça là, s'amuser avec les motos. Fait quoi? On fait 20 minutes de moto puis après on va se coucher. Allez Fabrice, Fabrice, tu régales, Fabrice. Allez-y, je rentre seul. Non bah non, on peut pas te laisser rentrer seul, c'est une période de jour. 4 en 1000. Vous en faites le pas pour ça. Je rentre seul. Je rentre tranquille. Dans les rues. À demi. Aïe. Et 10 4. Et il dit 10 4 à qui? Je sais pas. Il parle tout seul. Madame 16. Ouais, bien sûr, Fabrice, tout va bien. Et je te laisse reprendre le central, hein, tout. Ouais, Madame pas le souci. 16, 19 et H08. 18. C'est moi la centrale. Casse les couilles avec sa centrale. On peut y aller, hein. On va avoir très tranquillou. Allez, allez. On va bien trouver un ou deux. Alors, où on trouve ceux qui veulent nous péter le cul, ou on trouve ceux qu'on doit péter le cul. Dans tous les cas, il y a du cul. Bonne nouvelle. Mais en fait, de toute façon, tu vas devoir, vous allez devoir aller le chercher parce qu'il va être tout seul, le gaillard. Il est où le gaillard? H16. Il fait quoi, le 19? Bah, je sais pas. Je crois que oui, il va être tout seul, oui. Bah, on va rentrer au poste alors. À l'âme 8, vous confirmez que vous faites à 19? C'est moi ou on a compris? Non, il a dit 10-4. Remarquerez que pas un accident à moto. Madame, c'est spectateur aux Omega. Allô? Oui, bonjour monsieur, lieutenant Davis, SHP. Je vous appelle suite à votre message. J'ai pas d'unité dans le Nord actuellement. N'hésitez pas à doubler avec un petit message au BCSO. Allez, pas de souci. Bon courage à vous en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et disquette. Dernier appel, prévenu que pas de patrouille dans le Nord qui peut doubler que le BCSO. La 16 14. Allez. Tu dis 18. Bonne nuit, lieutenant. Bonne nuit, lieutenant. Bonne nuit. C'est le putain de guirlande en fait cette auto. Comment ça? Mais les gyrophares est trop stylé. 16 1031 engagé sur une Sultan en 40-21. 41 on est trop loin là. Direction 40-06. On va l'aider. Yes. Lynx se raccroche, donnez-nous les codes. 18. Devant la super est en 49. Elle a pris direction Zambica. Pris à gauche. Plainte visuelle 30-22. Tu es prêt là? Attends, je regarde c'est où 30-22 là parce que... En plein milieu Sandy Shore. On peut aller faire un tour là-bas. Je cesse pas de reprise de visuel en 40-10. C'est reçu à la 16. À la 16, tu confirmes que tu l'as perdu au milieu de Sandy? Vers l'aérodrome, on l'a perdu. Dans le off-road là. C'est reçu, Lynx va faire un tour en off-road, reste dans les parages au cas où. On cherche quoi comme véhicule, rappelle-nous? Sultan classique couleur orange. C'est reçu. Power et gratidure et de machine. Ah ouais, nickel, je vais te rejouer. Préférable. Le mec qui répond pas avant de... Mais pas vu. Oh, c'est le gilet qui m'a sauvé. Comme quoi, toujours partir en moto bien équipé. Ah, clairement, là, le gilet l'a bouffé, c'est tout. Me dépasser là. Bouton orange. Dame 16, pas de reprise de visuel en 3001. On a potentiellement une Sultan orange, on est en 30-36, direction plein d'ouest, on la suit. T'es bobard dans la pute. On est dans le rouge, on fait le plein, on arrive. Il a tourné direction Zombica. Il s'arrête à la supérette. La disquette. Essaye de les prendre à pied? Je pense que oui. Vas-y, bah go. Parce qu'en plus, il y a la ferme, donc ils vont essayer de les virer. Bon, on y va alors, go. Go. Bonjour. Vraiment, Madame 16, on va arriver par l'est. Ouais, ça se barre, c'est parti par l'arrière. go. Il va repasser dans la chute. Bah alors je suis à moto. Hein. Il a déposé un gars à pied. Tu te retournes. Je vais mettre contre le mur. Ouais, tu vas te mettre contre le mur. Ouais. Vous allez bien la lynx? Ouais, impeccable. On a le gars qui il a déposé le gars. Donc nous on a récupéré le gars en question. Et vous, vous êtes à la poursuite de l'autre. Ah, le pneu a pas pété? Non, j'ai mal visé. Il y a des fois en un coup c'est bon, il y a des fois il m'en faut 6 ou 7. Je suis pas plus con que les autres quoi. Monsieur, bonjour. Bon, du coup, on fait quoi? Vous jouez au compte tout de suite et on finit par vous dire pourquoi vous êtes arrêté et on vous fout la max ou vous êtes totalement coopératif et ça se passe bien? Bah, dites-moi déjà, oui, je vous écoute. Bah, là, je vous dis, à moins de 5 minutes, supérette, tout ça. Ou distributeur, attendez, je sais plus, c'est quoi? J'ai moins de 5 minutes. Je pense qu'il va te prendre pour écho. Ouais, on va partir sur la max, on va pas discuter. Bah, alors pour le coup, non, j'ai pas. Alors là, celle-là, j'allais la faire, mais il y a 5 minutes. Non, donc l'assultant qui a été perdu de vue à Sandy Shore il y a moins de 5 minutes et qu'on a repris le visuel, c'est sûr. On est en 35 41. Pour le coup, j'ai tout de suite envie de aller dans le nord et dessus actuellement. Ah, répète, vous l'avez eu ou pas? Ah bah du coup, vu que vous êtes dans le nord, c'est forcément vous. Ok, c'est reçu. Reviens jusqu'à nous au niveau de la supérette, là, vous allez nous aider à sécuriser votre temps. 14. J'ai aussi des Buffalo, des Sultans RS, des... Et monsieur pas la voiture. Pour le coup non là. Qu'elle a obligé à la faire, mais celle d'avant. Oh. Quelle déjà. Oui c'est ça oui. Dans une zone tendue, ça peut nous arriver dessus, je fais gaffe. Parce qu'on voit pas ce qui nous arrive de derrière. C'est pour ça que je suis toujours en mouvement. Pour essayer de voir ce qui se passe, etc. Je te récupère, je dis bah non, non. On me récupère pas, non. Tant qu'on n'a pas l'unité qui est arrivée en supplément. Retournez-vous, je vais vous fouiller. Il y a quelque chose qui peut me blesser ou pas? Un pied biche. Il me semble que c'est tout. Et... Okay. Ils l'ont attrapé la voiture ou pas? Bougez pas vous. Négatif, ils ont pas la voiture. À mon avis, il y a tout ce qu'il faut dedans, parce que lui il a rien. Je pense que c'est de la voiture. Et c'est dommage parce que je crois qu'il n'y a pas de tentative de braquage dessus. Non, mon pire il va repartir, mais il doit passer quelques minutes avec nous. J'ai demandé à la dame de venir en renfort, tu vois quand on a la moto on est hyper vulnérable. Que je suis reparti pour l'autre côté, ça déconne, et des fois en une balle. Je mets tout dans le pneu, 6 balles, pas moyen. J'ai le chargeur, la moitié des chargeurs, bim. Je mets rien dedans quoi. Vous soyez pas ceux de la meilleure patrouille de Toulouse Santos. C'est vous. Par contre, vous êtes garés comme des blaireaux, vous avez niqué la circuit les gars. Ah merde. Bah vous l'avez pas eu? Non. En off-road, ouais. Elle est sultan. Ah bah ça c'est pas nouveau, hier la sultan a fait pareil. Les sultans en ce moment ils adorent aller en off-road. Apparemment ils montent des pneus tout terrés. Eh monsieur Moller, depuis quand les sultans c'est des off-road? Ah bah c'est pas moi le pilote, ça j'ai dit. C'est pas leur falloir des cours hein, parce que les voitures elles vont finir par niquer le bas de caisse hein. Bah, oui, bah surtout vu comment il arrête les pas. Il faisait savonnette là sur la CP. Pour le coup je lui ai dit au pilote, je lui ai dit off-road on évite, t'es pas top. Il m'a dit c'est vrai qu'elle chasse du cul. Oh, oui, parce que vu les 360 qui nous faisaient là sur la CP, bon. Je lui ai dit au fronton. Oui, bah, je me suis dit que j'avais le pit pour qu'il arrête de faire des 360 parce que c'était dangereux pour lui là quand même à un moment donné. Hein. Bah je me sentais pas bien non plus, oui. Vous avez le nom du monsieur qui conduit? Je peux l'appeler si vous voulez. Donnez-moi le numéro, je vais l'appeler moi. J'ai pas le numéro, je suis dans la tête là comme ça. Je peux prendre mon téléphone pour... Allez, je pense que tu donnes le numéro. Ah ouais, allez. Détachez-le, comme ça il va vous donner le numéro. Ah, ah bah non, bah. J'allais voir à l'intérieur s'ils ont pas fait de mal à monsieur Pascal. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que ça pas. Hop là. Voilà. Hop, je vous laisse regarder, je vais dans mon répertoire. Oui. Hop. Je regarde sur votre épaule. 09 81. Il s'appelle comment? Philippe Castillo. Nickel, je vous laisse relever les bras s'il vous plaît. Ah, laissez-le détacher, laissez-le détacher. Oui, oui, allô, oui. Oui, bonjour. Vous bonjour. Assumez, on est toujours à la supérette. Ah, vous êtes toujours à la supérette. Vous êtes qui? Parce que moi, là, sur mon téléphone, c'est écrit inconnu. Ouais, je sais, je la refais. On est toujours à la supérette. Venez assumer, on est avec votre collègue. D'accord. J'arrive. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. On a eu des fois quand on est agréable. Mais j'ai cru qu'il allait vous faucher. C'est clair, c'est clair. Mais là, quand il est reparti, j'ai vraiment cru qu'il allait nous faucher une de nos motos. J'ai cru qu'il allait me faucher moi aussi. Et puis il m'appelle, il me dit sors, je te récupère, je me fais tirer dessus. Bah non, je rentre pas dans une voiture qui se fait tirer dessus. Ah oui. Ouais, bon. Et William, c'est pour info, c'est sur la fréquence de Lynx, le monsieur arrive pour assumer. Bravo. Bah, vous auriez un petit truc à manger par contre. Oui. Hop, venez par là. Hop. Quel offert. Venez. Quel offert. Si. Bah, il est pas con votre collègue ici qu'on a solo son prénom donc. Bah oui, je sais. Là, il a plus qu'à venir et à. Ah, et à gentiment assumer. Par contre, si ça peut vous faire gagner du temps, le véhicule. Oui, madame Williams. Je veux bien être gentil, hein, mais par contre, piquer la bouffe d'un honnête travailleur, ça va moyen plaire. Vous me rendez la nourriture, s'il vous plaît. C'est déjà consommé, je peux rembourser. Bah, rembourser, donnez-moi la. Ça déconne, vous piquez la bouffe des mecs qui boivent ça. Mais j'ai pas à manger. Et les sandwichs des Ginettes, ils sont dégueulasses. Oui, voilà, ça me fait bonheur chaque fois. Vous foutez vous. Vous me filez de la thune et je vais lui donner. Oui, bien sûr, je sais pas comment ça vaut, tenez, $100. Donnez 200. Merci. Je peux pas accepter cet argent. C'est corruption, oui. C'est la corruption, ça, monsieur. Ah, je me recule un petit peu. Ah, ben non, mais. Je vous le rends, monsieur. Attendez, c'est votre argent, je vous le rends et vous le donnez à ma collègue. Je sais pas, c'est pas à vous donner à moi qui donne à ma collègue, ça fait du bien chimin, ça, monsieur. Voilà. Nickel. Ça fait cher la frite. Oui, bah la prochaine fois, vous prendrez chez vous. On est où? C'est loin chez moi. Là, c'est où chez vous? Dans le sud. Sud des États-Unis. Non, le sud de San Andreas. On disait aussi que c'était bizarre que vous habitiez style au sud de la Californie, quoi. Non, ça fait louer tous les jours pour venir faire le malfrat, quoi. C'est sûr, oui. Quand puis au pire, une petite tente. Il faut rembourser l'avion, quoi. Bah, il faut travailler à fond, quoi. Ouais, bon, il va pas venir, en fait, le collègue. Bah, ouais. Bon, on l'a perdu vers le point E, donc. Bon. Pour être honnête, par contre, même le véhicule était vide. On avait déjà. C'est quoi son prénom, Mehdi? Castillo. Castillo Félix. Ah, petite question. Oui. C'est vous le. Davis? Yotta Davis, allez, fais. Oh putain, merde, je me suis fait dévisser. Oh, ça décolle, il y a déjà un truc qui tourne sur moi? Il arrive. Parce que là, j'étais en train de taper l'avis de recherche, ouais. Je rigole pas. J'ai dit, je viens, il vient. Oh, ça décollé, il vient que du monde. Ouais, y a tout à la bande, oui. Alors ça, par contre, ça va pas le faire. Arme sortie. Mais... Oh merde. Est-ce que je peux sortir de mon véhicule? Ouais, sortez les bébés, bien à l'évidence, les mecs. Et vous dites à vos collègues, si ils sortent pas les évidences, on abat tout le monde. Est-ce que je peux avancer vers lui pour lui dire? Allez-y. Faites au village, impeccable, ah, nickel. Je crois qu'il a, entendu. Super. Nous on veut juste monsieur Castillo Felipe. Ouais, c'est devant vous. C'est vous, impeccable. Les autres peuvent y aller. Bonjour monsieur. Pourquoi tirer direct par contre? Qu'est-ce qu'il veut lui? C'était quoi? C'était une question ça? Oui, c'était une question, oui. Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous tirez au 9 directement dès que vous arrivez. Monsieur, attendez. Déjà, c'est la fête au village, je vais recommencer. C'est des fadas. L'autre, je le connais. Il est dada, il arrive, il me fait une phrase en mode pourquoi tirer. Putain, pas de sujet, pas de verbe, pas de complément, tu vois. Le mec, il est là. Il rigole pas, lui. Il rigole pas. Bon, je vous l'explique vite, monsieur. Hein. À un moment donné, il va falloir que ça rentre, criminel ou pas criminel, fada ou pas fada, il va falloir que ça rentre. Nous, police, vous, criminels, oui. Impeccable. Nous, arriver sur place, mettre en joue voiture qui, elle, préfère faire des donuts, se foutre de la gueule et tenter de percuter un motard. Nous, tirer, faire pneu. Mais quoi? Fait. Pas plus compliqué que ça, monsieur. Maintenant, vous pouvez circuler. Vous souhaitez une bonne journée. Okay. Ouais. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hein. Oui. Je fais le cul des jaunes, je fais le cul des oranges, hein. Je fais toutes les couleurs primaires de l'arc-en-ciel. Ça les connaît. Bon, monsieur Felipe, là. Ouais, c'est moi. Ça les connaît, oh. Est-ce que je peux baisser les mains, officier? Ouais, allez-y, baissez les mains. Vous avez des choses dangereuses sur vous? Merci. Non, je vois absolument rien. Je vous laisse mousser. C'est le chef des orages et ce que j'ai vu, là? Oui, c'est moi. Qui ça? Celui à qui vous parlez? Ouais. Et où? C'est moi qui? C'est moi vous? Mais non, apparemment, c'est monsieur, là. Ah, c'est vous, le chef? Ouais. Mais pourquoi l'autre, il me casse les couilles, alors? Attendez, venez que moi, monsieur. Pourquoi l'autre, il descend de sa voiture, il arrive vénère, ça va mal se passer si c'est vous le chef? J'ai pas compris non plus. Très bien, sans déconner, c'est des fadas, vous êtes des fadas sur cette île. Oh, il y a même le BCSO. Bonsoir, monsieur. Ça déconner, des fadas, vous étiez des fous. Si c'est pas lui le chef, pourquoi il ouvre sa gueule? Je comprends rien. Bon, monsieur Philippe, à nous, là. Oh, putain, j'ai un mal de crâne aujourd'hui. Bon, vous avez gardé le... Vous avez un buté sur vous, là, ou pas? Non, moi, j'ai rien du tout, moi. Rien du tout? Vous avez rien de dangereux sur vous? Non, allez-y, fouillez-moi. Mon collègue, il va vous fouiller. J'ai le casque de moto, c'est pas pratique. Ouais, bah, j'imagine bien. Vous avez rien qui peut me laisser? Rien du tout. D'accord. Ok. Ok, effectivement, il n'y a rien d'illégal sur le monsieur. Impeccable. Dans la voiture, il y a rien? Non plus, vous pouvez vérifier, elle est ouverte. Impeccable. Non, non, pas besoin, je vous prends. Bon, qu'est-ce que vous faites, chef? Est-ce que je peux dire un truc? Vas-y, dites. Je n'ai jamais voulu renverser de motard. Impeccable. Alors, j'ai pas de... J'essaie de comprendre, parce que moi, j'ai une notation sur M. Castillo. M. Castillo, vous êtes toujours prospect des Scorpus? Oui. Impeccable, c'est tout. C'est écrit dans votre dossier. C'est les collègues. C'est fou, ça. C'est fou. Ça veut dire que moi, c'est pas écrit dans mon dossier? Je sais pas, j'ai pas regardé votre dossier encore. Ah, d'accord. Bah non, je vous ai pas pris encore votre identité. Ma collègue l'a fait, mais voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites, chef? Parce que vous n'êtes pas désagréable et vous êtes dans la discussion, donc déjà tout va bien, impeccable. Vous n'êtes pas dans la menace de mort et vous n'êtes pas dans le je vais tout poutrer. Alors moi, déjà, ça me plaît bien. Ah, bah, y a pas de raison. Voilà, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai pas un problème de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est que je vous avoue que ce soir, avant vous, il y a eu 2-3 couleurs, ils étaient chauds. Et c'était pas le rouge, le blanc et le jaune. Je vous le dis tout de suite. Ah si, les jaunes, ils étaient chauds. Si, il faut pas. Couleur de l'arc-en-ciel qu'il faut niquer d'ailleurs. Bon, bougez pas, j'arrive. Bon, donc en gros, le chef, c'est lui. Ouais, je sais. Ah, d'accord. Bonne soirée. Donc, grosso merdo. Donc l'autre, là, le show qui est sorti en mode vénéreux du cul, là. Lui me casse les couilles. Donc, le chef... donc le chef c'est lui et l'autre c'est le prospect. Bon. Donc le prospect est revenu pour assumer et le chef est plutôt cordial, on n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans le... Voilà. On lui met vraiment des fuites à l'autre là. Ah, pour le coup il est pointé, on tire, et il choisit quand même de faire le tour de la supérette pour récupérer son gars et de se casser. Donc au bout d'un moment, délit de fuite, oui il y a eu un délit de fuite. Hein. On est d'accord. Peut-être lui apprendre que la prochaine fois, quand t'as une arme braquée sur la tronche, enfin en tout cas vers toi, tu pars pas quoi. C'est une récidive. Ah. Délit de fuite sous récidive, donc retrait de permis. Voilà, bah, ça lui fera la bite. Ça lui fait... C'est discrète, bonne soirée shérif. Allez on est beau, je vais lui foutre ses 6000 balles et retrait de 12 points. Ou t'as décoller parce qu'ils ont fini. Non, on peut les laisser. C'est ma voiture de rallye en fait. Ouais, faut mettre du pneu off-road, ouais. Monsieur Felipe. Oui. Castillo, pardon, votre nom de famille c'est Castillo. Ouais, c'est monsieur Castillo. Pas de soucis, vous êtes un récidive monsieur Castillo? Je sais plus. Ah bah, peut-être oui. Si, vous avez eu des lits de feu les dernières 24 heures. Ah oui. Ah oui. Début d'après-midi. Oui. Donc, monsieur Castillo, je vais vous mettre une amende pour délit de fuite. Qui va être maxé. Ouais. On peut vraiment pas partir. Hein. Je vais aussi vous retirer votre permis de conduire. Oh. Ah oui, là, récidive, c'est récidive. Alors, on aurait pu passer les yeux, vraiment. On aurait pu envisager. Et vous vous dites, j'ai pas voulu taper motard, mais 3 fois le tour du pâté de maison. Même votre chef, il a dit à un moment donné, il fallait qu'il me dépose, c'était trop dangereux. Mais moi, je voulais simplement récupérer... Non, non, mais entre nous. Mais si vous aviez rien fait de mal, pourquoi vous n'êtes pas arrêté, oh? Mais parce que vous m'avez tiré dessus. Non. Vous avez vu les 2 agents qui arrivaient et qui ont fait coucou, les mains en l'air. Vous avez vu? Alors, même votre chef, il nous dit, oh, non, ça décollait, oh. Monsieur Davis, corps pour sa défense. Un jour, on m'a dit mort en l'air, j'ai levé les mains, j'ai eu un blanc pendant 10 secondes et on m'a ouvert le feu dessus. Oui, ben non, mais j'ai pas visé le bonhomme, j'ai visé les pneus. Alors, moi, pour ma défense, je vous ai vu dans le coin, j'ai allumé le moteur, on m'a tiré dessus. Il fallait vous arrêter. Ouais, c'est vrai. Après, vous m'avez quand même tiré dessus très tôt. Hein. Moi, j'ai commencé à paniquer après. Ne me parlez pas de panique, et vous allez me dire que vous n'avez jamais vu d'arme de votre vie, ça déconne. Non, ça déconne. Vous allez me faire le collègue. Au moins, vous ne faites pas le collègue énervé de l'autre côté de la route. Ça va. Parce qu'en fait, le mec en colère de l'autre côté de la route, c'est le genre qui m'énerve. Parce qu'en fait, ça va être des menaces déguisées. Mais ça me saoule, ça. Moi, je suis quelqu'un de très calme. Non, mais c'est bien, impeccable. Bon. En fait, je suis censé vous mettre en garde à vue aussi et vous déférer devant le procureur. Oh non. Donc, voilà ce que je vais faire. Et je ne vais pas vous déférer devant le procureur. D'accord. Je vais vous mettre la maximale pour justifier sur le dossier avec la perte de permis, mais je ne défère pas devant le procureur. C'est gentil. D'accord. Voilà, pas d'intérêt. Vous n'avez pas été agressif non plus, etc. Maintenant, je reprends, on ne sait pas qui c'est. On arrive nous sur une supérette, au poète, le mec il peut faire une marche avant, marche avec sa voiture, il fait les donuts, il fait je sais pas quoi. Et bien sûr, consommer en sécurité, il tire. C'est pas. J'ai l'impression que l'écrivain sur les dit oui parce qu'en fait vous pouvez tirer au bout de 3 minutes. Mais qu'est-ce que fait? Je sais pas qui c'est qui fait les timings dans sa tête là. Mais moi ça dépend de la situation en fait. Si la voiture est utilisée comme une arme, potentiellement on tire. Si on est en moto qu'on a la possibilité de dégainer rapidement, on le fait. C'est pas une. Y a pas de science exacte quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre il fait un AVP devant nous. Non mais j'en peux plus les gens. Il va pas s'arrêter, faire le costard. Bien entendu, nickel. Putain, mais j'en peux plus, ouais, c'est genre... Bon, je suis flippé, oh. Je fais l'amende, là, parce que je... Oui. On va commencer. Le permis de conduire, c'est le permis voiture. Voiture. Oui, parce que... Oui. Donc, récidive, délit de fuite. Nombre de points retirés. Donc, je garde le permis avec moi, il faudra le repasser, monsieur. Ouais, pas de souci. Je voudrais aussi une amende. Une amende pour délit de fuite. Amende d'un montant maximum sur la loi de 6 000 $, monsieur Philippe. Monsieur. Putain, je vais pas y arriver, monsieur Castillo, excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Impeccable. Est-ce que peut-être le chef il a le permis? Oh, bah, il me reste un point, mais je l'ai. Allez, si vous pouvez me le montrer, comme ça c'est vous qui reprenez le volant. Alors, hop, j'espère qu'il reste un point. Impeccable. Allez, vous pouvez conduire et vous pouvez y aller, les polissons. La prochaine fois, vous arrêtez. Service autoroute, on s'arrête. Attendez, je relève juste votre numéro, comme ça, moi, c'est plus en inconnu. — 3978. Vous m'avez dit, c'est quand? C'est Davis. — Lieutenant Davis. — Davis. — Moi, je suis pas un numéro. Tout le monde dit, apparemment, c'est des numéros ici. Moi, je suis pas un numéro. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous choque? Alors... SHP Davis. Voilà. Qu'est-ce qui t'est choquant dans le fait que je donne le mono? Voilà, parfait. Bon. Ah merde, je disais qu'est-ce qui t'est choquant dans le fait que je donne le mono? Alors, moi, rien. Mais c'est plutôt la petite blague qui m'a fait rigoler. Alors oui, c'est vrai que moi, on m'a dit attention à Davis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est qui a dit ça? C'est des gens dans la rue. Vous connaissez Bilops? Je connais où? Vous connaissez Bilops? Oui, de nom. Je connais où? Oui. Bah, il y a des gens qui disent qu'ils sont bilopsés quand ils sont arrêtés. D'accord. Et moi, pour vous, vous dévissez. Putain, c'est trop bien. Ah d'accord, faites attention, mais du bon côté, ok. Les gens se font dévisser. C'est ça. Oh, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Un égo, là. Oh putain, ça me plaît, oh j'ai envie d'arrêter du mot. Oh monsieur Castillo, on est reparti là. Mettez le moteur que je vous tire au dessus. Allez, c'est parti, on y va. Non, là, vous n'avez pas le permis, monsieur Castillo. Non, vous n'avez pas le permis. Bon, allez. Allez, les policiers au filet. Bonne soirée. Allez, bon courage. Et puis calmez votre numéro, je sais pas combien là, avec ce détail du cul là. Ah ben... La police est tirée, ils tirent, et des fois les gens ils tirent. Sauf que si vous vous tirez quand vous attrapez, vous prenez un maximum là. Nous, si on tire, c'est de la légitime défense. Ça a toujours été comme ça. Au pire, foutez sur la gueule aux autres criminels, et puis défoulez-vous sur eux. Arrêtez de vous défouler sur nous, putain. Vous voulez qu'on tape qui? Eh ben, vous tapez qui vous voulez. Tapez les jaunes, tiens. Les jaunes, cassez les couilles, cassez les couilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Casse les couilles. Comment il a dit? Il va tous les tuer, tout ça. Ça m'énerve. Ah oui, ça va. Ah oui, pas très sympa ça. Allez, file les policiers. Ok. Allez, attention sur la route. Allez, à plus. Bon, allez, allez vous coucher, moi, parce que je suis pas. Oui, bah, moi aussi, j'aimerais bien. On va aller au coin de la rue, je vais me faire tirer dessus. Non. Ça dirait balle de la DDE là-bas. On va voir ça. T'es de l'autre, dirait une balle de la DDE. Avant, il lui a demandé s'il pouvait tirer la bombe du bas. Bonsoir. Et apparemment, il y a une nouvelle expression en ville. Et PC disquette. Ah ouais. Bonne soirée. Et il m'a dit, c'est vous le lieutenant Davis? J'ai dit oui. Il m'a dit, putain, tu t'es fait dévisser. Apparemment, c'est une nouvelle expression. Les gens se font dévisser. C'est trop bien. C'est pas nul, oh oh oh. Flattez mon ego un peu là. Mais non, elle est pas bonne. Qu'est-ce qui est pas bonne? Ma collègue? Ah, super, déjà, pourquoi vous faites des critères physiques? Je me permettrai pas. Bah, attendez, je comprends rien. Ouais, putain, qu'est-ce que c'est les falas? Mais c'est trop, c'est falas. Bon, allez, on rentre à la maison, nous, parce que c'est pas tout ça, mais à un moment donné, elle suppo et au lit. Mais celui du BCSO. Faut peut-être dormir, ouais. Ah, bah tiens, c'est la merde, on va faire. Je crois qu'il y en a qui a besoin de suppo. Mais. Hop, c'est bon. C'est ce qu'il faut, c'est bon. Allez, s'ils sont, on y va. Allez, yep. Bonne soirée, bon courage. Allez, bon courage. Voilà, allez, bonne soirée. Ouais. On va te le mettre. Où ma mouton? Bon, ça déconne. Williams, tu peux le refaire, mais en mode tu cherches vraiment. Ma moto, elle est où ma moto? Hop. C'est pas drôle. Me 16 code 4 et on fait un 10-19. Je suis au courant, c'est moi la centrale, putain, tu me l'as dit il y a 10 secondes. J'en peux plus. Je vais craquer, Williams, je vais craquer. Je vais craquer. Rentrez se coucher parce que là... Le pire de tout ça, c'est que tu te dis que s'ils ont fait de trucs style tu te fais dévisser, c'est que vraiment ils commencent à, tu vois, un peu appréhender. Mais sauf que moi ça me va, j'ai pas besoin d'être copain avec eux en fait, ça m'intéresse pas. Moi je vais être vu comme le croque-mitaine. J'ai des fifous derrière moi. On y va? Sur quoi? C'est il y a un annonce sur Ah ça t'as vu. Un 1031 sur la greatocean.n qui direction Direction point S en fait. Mais on est carrément de l'autre côté quoi. Ah, de l'autre côté c'est mort. Après, tant qu'on y arrive, s'il y a déjà du monde... Surtout qu'ils l'ont déjà paumé. Hein. Ouais, donc bon, allez rentre. Ils font encore des CP avec leur grandeur de merde là. C'est faisable, moi j'ai testé grandeur, c'est un véhicule de commandement, enfin c'est... Ouais, le cadet il m'a dit on n'a pas de STX parce que c'est de la merde. J'ai fait bah ok si tu veux. Hein. D'accord. Bon. Complètement con là-haut. J'appelle le mec là, bonsoir. Ils ont enculé des chèvres, ils ont de cerveau. J'appelle. Oui, allô. Monsieur Holmes. Oui, bonjour. Bonjour, lieutenant Davis, c'est SHP. Je vous appelle par rapport à votre message. Alors oui, recrute, c'est possible. D'accord. Il faut envoyer CV, lettre de motivation directement au chef de l'unité. D'accord, est-ce que vous avez un moyen de contact à me... Bien sûr, je peux vous donner son mail. Oui, je veux bien. Alors, c'est... Varinger. Oui. Pouet. Gunar. Oui. Arrobase. Discord.gg. Gunar avec un D à la fin? Non, G-U-N-A-R. D'accord, très bien. Et donc, et vous voyez que lui, donc directement CV lettre de motivation, il le présente à la commission à l'intérieur de chez nous, et à partir de là, il vous rappelle le plus rapidement possible, demain ou après-demain. Eh bien, très bien. Alors, eh bien je si jamais il n'y a pas de place parce que les formations ne sont pas terminées, vous serez le prochain sur la liste si tout va bien. Eh bien, superbe. Allez, pas de soucis. Bonne soirée. Je vous remercie également, au revoir. Et qu'est-ce que j'aime la moto? C'est trop bien la moto. On ne sort pas assez en vrai. Bah de ouf hein. Il faudrait mais sauf que... Il faut vraiment... Je vais créer une formation centrale. Ah non, je vais dire au capitaine de la créer. Après c'est pour ça que j'ai proposé hier dans l'après-midi de faire de la marée parce que... Bah le chef il est là l'après mais c'est lui qui a la centrale la plupart du temps. Non mais c'est un boulot central, il faut que la centrale fasse vraiment centrale en fait. Le chef il fait centrale en prenant des coups de fil et en gérant... Enfin stop, c'est pas possible, il peut pas être partout. Ah, le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de monde l'après-midi quoi et ça va être compliqué quoi. D'accord, ok. Voilà, psouf. Allez hop, moi je vous lis. Ça a été Cadésite ? Ça va, ça va. C'est bien passé ? Ouais. C'est beaucoup plus peinard en conduite que le radio. Ah ouais ? Ouais, je trouve. Ah ça, ça va pas être possible. Hein. Ah non, si vous êtes mon cadet, vous savez conduire, on dit direct. Hein. Vous préférez faire école radio ou la conduite ? Je sais pas. Mais je pense que le call radio, c'est un peu chaud encore. Hein. Alors, il n'y a rien de compliqué, il faut juste que vous indiquiez où vous êtes. C'est tout. Yes. Le seul impératif pour une centrale, c'est savoir où sont ses unités en cas de problème. Et pourquoi on indique où on est, c'est pour que la centrale, la personne qui gère la centrale, l'écrive. C'est tout court, mais imaginez vous êtes à 1000, vous indiquez que vous êtes à 1000 et vous donnez plus de nouvelles. Il faut qu'on ait un point de départ pour vous chercher. Vous êtes en 1000, vous l'indiquez, et vous faites tirer dessus, vous annoncez besoin de renfort. La centrale, elle sait où envoyer les unités. Donc le plus important, c'est les plus grosses annonces, c'est 1048 en machin et code 4. Comme ça, la centrale, elle sait que où vous êtes en mouvement ou vous êtes à l'arrêt. C'est tout. Pour le reste, ça va venir. Les 1031, ouais, c'est compliqué. Les... Voilà, et après, il faut... prenez le temps quand vous le faites. Mmh. C'est comme un 1031, vous indiquez vraiment les trucs petit à petit. Yep. Par contre, je peux revenir sur le 1048 là? Ce fameux... Bah, non, mais juste le truc du 1048. Ouais, du coup, parce que hier... au patron, hein, ouais, du coup, vous pouvez l'utiliser. C'est la même chose pour lui, donc c'est bon. Et... D'accord, ok. Pour lui, c'est un contrôle de super aide, donc c'est comme un contrôle tout pareil. Quoi. Ouais, parce que de toute façon, on demande à Ginette aussi en même temps. Non. Ouais, c'est pour ça. C'est pied à terre, en fait. Oui, mais en fait, normalement, oui. Je disais, on peut aussi dire 10-23 pour arriver sur les lieux, tout ça. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est... 10-48, ça englobe tout le bordel. Hein. Ok. Ouais, après, je sais pas, les deux CP là, contre la Sultan, là, la bleue, là, compliqué, quoi. Il m'a perdu, quoi. De toute façon, la Sultan bleue, c'est pas compliqué. Hein. Si elle est sur la grette, il y a 90% de chances qu'elle va remonter vers le cimetière. Bah, vers donc, la prochaine fois, je vais hercer ce truc-là avant d'y aller. Ça, il va se faire niquer. Mais là, sur la première CP, je l'ai perdu. Le West Eclipse Boulevard. J'ai perdu là dedans. Et le deuxième, c'était. Parce qu'après, vous avez repris le visuel sur l'Étel Séoul. Je l'avais perdu dans les petits recoins de merde là de 72-17, 71-71 par là quoi. Sur Marathon Avenue. Je l'ai perdu là-bas quoi. C'est pas très grave, un DCP vous allez en perdre et en reperdre. Surtout les DCP avec des... Il faut pas se mentir, il conduit bien ce petit coup. Sur la deuxième CP il a fait pas mal de boulettes quoi. Non, sur la première pardon, il a fait pas mal de boulettes, j'aurais pu le pit 2 fois. Pourquoi vous l'avez pas fini? Bah je me suis abstenu. C'était la première CP hein, je faisais hein. Tant que conducteur. Bref. Cooper, vous faites quoi? Vous faites un 18, non? Oui, 18 pour moi. Ok, bah KD, désolé, mais vous savez faire 18 aussi, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, parce qu'on va tous y aller, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Profitez-en, comme ça vous potassez ce qu'on vous a donné, que ouais. Je vous ai demandé. D'ailleurs, vous avez vu mon message ou pas? Oula, où ça? Je vous changez. Quel message? Oui, je vais. Le TF4 de fou. H3 c'est 10-8. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. H8, 18 aussi, bonne soirée. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui, non ou merde. J'accepte pas le merde. J'accepte que l'amour. Merci à vous en tout cas. Merci au follow, merci au sub, merci au resub. On se retrouve demain soir, ce sera le dernier live. Parce que vendredi, je suis en tournage d'un nouveau concept pour vous. Matinaux plutôt, les gens de SHMS. Et après, je suis de retour. Après, je suis en vacances à Paris avec les enfants. Je leur fais visiter Paris. Et je reviens juste après. Je vous mets tout un message comme ça. Mais ce n'est pas un problème. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que Davis règne. Davis rôde. Davis va sûrement crever. Je pense que je vais crever avant Noël. Voire rapidement. Miguel, il va revenir. Je vais me faire plomber la gueule. Allez, bonne nuit.